Allô, bonjour mon capitaine. Nouvelle journée, qu'est-ce que j'ai à raconter? Encore une fois chopé migraine. Toutes ces têtes de compromis, je vais les défoncer. Je commence tout dès avec une vieille et son putain de bichon mort. Titouan l'a enterré, j'aurais fait la même, il a eu raison, pas de remords. J'ai un rapport de toutes les plus belles histoires qui s'y barrent, j'ai pu voir. Les lits du LSP, j'y pète les scores, c'est un putain de désespoir. En parlant de tout ça, Lindsay Kelly a jamais vu ta série de merde. Elle déteste Keith, Torres, Palmer et cette vieille intrigue, ça l'emmerde. Y'a l'autre qui débarque avec sa dégaine, pas de prestance des têtes de quatrième. Que la passivité, son ADN. Bah vous êtes où mon capitaine? Fais ce qu'on te dit et mate les 404 épisodes NCIS. Michael mérite sa promo, c'est moi qui le dis, PANIS. Vamos, vamos, à leur place, je leur montrerai c'est qu'ils bossent. Vagos, vagos, cassos, cassos. Où est le plus grand bandito de Los Santos? Déjà oublié dans vos cœurs, ça parle au café sans rancœur. Ça se fait passer pour des braqueurs, mais font moins de crimes que le Joker. Les familles, Coolteth Smarties, sont pas capables d'assumer leurs péchés. Ont qu'une devise, changer de couleur, c'est la nouvelle criminalité. Ici, le seul que je respecte, c'est Capone. MC et Liam, les gangsters qui tâtonnent, veulent tout savoir de vérité à Madone. J'espère qu'un jour vous fumerez ces câblons. Tu sais pas quoi, il paraît que B est mort. Ah. Quoi, il aurait pas vu sa stature. Incroyable, ça serait bien la première fois. Quoi. J'avais jamais vu ça. Lucis dédoublé, l'inspecteur Yange Dil du Cocra. Francis et Vanessa se marient au bout de 3 jours, frère, ça veut dire quoi? Bien sûr, le révérend l'a autorisé. Je me demande dans quelle bise il peut bien tremper. Comme Aladé, capable d'improviser. Possible, s'il vous plaît, de vite l'introniser. Mais pour. Quoi, ça se finit déjà, y'a pas moyen de prolonger ça. Au revoir à tous mes soldats,
gagné les élections. Il était devant tout le monde. Otazak, Pichot, etc. etc. Estopé. Incroyable. Vraiment, quelle ville de fou, putain. J'en ai oublié plein. Johnny a mal au cul, a besoin d'entretien. Tiens, j'en ai encore un. Donne avant sa piquette de merde, c'est malsain. Un gros coup de cœur pour les frères Croûte. Sincérité fait aucun doute. J'serai dans leur camp, coûte que coûte. Et la vie des autres, j'en ai rien à foutre. Un vieux copain bourré, aucun lapsus. Depuis qu'on se parle, c'est le consensus. Pose cette bouteille, mon bon vieux Marius. J'veux pas que tu meurs d'un infractus. J'garde le meilleur pour la fin, tu le sais. Évidemment, cette dernière, c'est Chloé. Depuis que Siba, je t'ai rencontré. Doc, les aiguilles, j'ai envie de lécher. Et comme tu l'auras si bien prononcé, mettez des gens exceptionnels. Et comme tu l'auras si bien prononcé, mettez des gens exceptionnels. Dans une ville sombre et tamisée. Dans une ville sombre et tamisée. Et cette dernière sera éternelle. Et cette dernière sera éternelle. Yeah, donut. Le 21 avril dernier, vous avez découvert Miguel. Et même moi, à ce moment-là, je me suis dit, merde. Est-ce que ça va leur plaire? Je m'en fous, allons-y, amusons-nous. J'étais avec des copains, je me suis dit, oh fucking god. Allons-y. J'ai commencé à m'inquiéter quand... Putain, vous étiez beaucoup. Je me suis dit, merde, ils sont venus au bus, c'est con ou quoi? Et on a passé 14 jours de folie. 14 jours avec des amis en mode RP. RP découverte, raccourci. Évolution rapide, pognon à tous les sens, rinçage de personnes, délire en tout genre. Et je me suis dit, mec, tu peux pas arrêter avec Miguel, il est génial. Miguel, il est à part. Miguel, c'est sûrement le meilleur personnage que t'aies jamais fait. Et pourtant, c'est un con, c'est ça qui est génial. Alors je me suis dit une chose, que j'allais essayer de vous proposer une saison 2 de Miguel sur un serveur RP Serious. Alors Serious, ça dépend parce que c'est un peu mon serveur à moi, donc peut-être qu'il est aussi con que moi.
21 Jump Click, c'est peut-être le serveur des débiles, on ne sait pas. Moi, je me dis que si, un petit peu, quand même, parce que je suis un des admins. Je me dis que de toute façon, ça va gueuler, que les dés sont pipés, mais je m'en bats les couilles. Parce que peu importe ce que vous pensez, mon but, c'est de vous amuser, de m'amuser avec. Et si on s'amuse ensemble, ça fait plein de gens qui s'amusent. Et ça, c'est bon, ça, papa. Ça, c'est bon, ça. Alors, j'espère que vous aimerez autant la saison 2 que la saison 1. Ça va être plus compliqué, ça va être plus dur. Mais il y aura Miguel. Manqué? Si, c'est moi, Miguel! Il revient pour une saison 2 sur Alex League TV! C'est plutôt bien, il a signé pour une saison! Et on se dit, tiens, il va le suivre sur un bon scénario, sur un bon scénariste! Et bien sûr, tiens, il va peut-être écrire des trucs sympas! Il est un peu déçu, il va pas avoir les copains, pero. Il paraît qu'il y a des challenges! Si! Monsieur? Monsieur? Oui. J'ai l'impression comment ça se réveille. Monsieur Collins? Monsieur Collins? Comment allez-vous, monsieur Collins? Il est mal comme si on... Ah, ouais, c'est normal, monsieur Collins. Oui, ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez-y doucement, hein. Ça fait longtemps que vos yeux sont restés fermés. Oh, bordel. La lumière du jour, ça risque de vous faire un peu mal. Ah, bon, comment ça? Je vous fais un petit peu d'ombre, regardez. Je mets la main devant les yeux. Si. Tout va bien, monsieur Collins? Vous retrouvez les sensations? Si, il n'a pas perdu les sensations, il est con, lui. Vous arrivez à qui, toi? Normalement. Appelle-moi Traoul! Il va donner une manette à Traoul, appelle-moi Traoul! Mais ah, c'est qui, on a dos? Pas de monsieur Raoul, désolé. Appelez-moi le directeur, docteur Maison. C'est moi, le directeur de l'hôpital. Ah non, vous n'êtes pas le directeur de l'hôpital, vous n'êtes pas docteur Maison. Il est où, docteur Maison? Le docteur Maison n'exerce plus depuis quelques années ici. Comment ça, le docteur Maison, il n'exerce plus? Ah, ça fait un bon bout de temps qu'il n'est plus non, ici. Non, il y a eu un accident, il me rappelle, putain, famille de pute, et después, hôpital. Génial, il donne une enveloppe, vous soignez, vous m'emmenez à Lenny. Ok, vous vous rappelez de quel jour on est? Si, on est en 2015. En 2015? On est en RPZ 2015. Ok, alors je vais juste, vous êtes bien installé, je vais juste vous dire exactement quel jour on est aujourd'hui. D'accord. Ok, donc nous sommes en l'année 2021. Vous avez passé 6 ans dans le coma. Et les derniers souvenirs dont vous faites référence, en effet, vous étiez en voiture et vous avez eu un accident grave. Entraînant de ce fait une mise en coma et... D'accord, c'est super drôle. Traou, il doit être dans les chiottes. Mais ça, allez-y, regardez. Quand vous dites, il y a eu un accident, d'accord, il y a eu un accident, il y a eu. Ça, il y a eu un accident, super. Et comment les 5 ans, 6 ans, 5 ans, 7, 8, 2, 1.
Vous avez eu un accident grave avec de multiples lésions, de multiples fractures, et le choc était tellement brutal que du coup, ça, vous avez eu un œdème très très important que les services ont essayé de résorber. Vous avez été amené en milieu d'après-midi par les services hospitaliers d'un autre endroit en disant qu'il fallait qu'on s'occupe de faire tout notre possible pour essayer de vous réveiller, de vous sortir du coma. Et après avoir fait un bilan, on a vu qu'il y avait une nette amélioration et que du coup, on pouvait essayer de vous sortir de ce coma. D'accord, il comprend rien. Ferme ta gueule. Il comprend rien quand tu parles, ça me saoule. Va me chercher Draou. Alors, je ne connais pas Monsieur Draou, mais pour vous simplifier, en fait, vous avez eu un grave accident, on vous a opéré, on vous a maintenu en vie, on vous a plongé dans le coma pour éviter que votre cerveau dégénère. Est-ce que vous avez encore besoin de perfusion, Monsieur Collins? Non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Et ouais, où ma femme? Alors, dans votre dossier, vous, il y avait une certaine Madame Kim Collins, c'est ça? Si, c'est ça, c'est Kim, et ma femme. Elle est restée à votre chevet pendant 3 ans, mais après... Après, on n'a plus de nouvelles d'elle. Il n'y a pas de suite qui stipule comme quoi Madame Collins est venue vous voir. C'est moi qui les ai reçues. D'accord. Je vous donne une perfusion. C'est ce que tu es en train de dire. Non, non, il y a pas une question simple. Parce que je suis peut-être d'accord. Mais donc, il est hôpital, coma à 6 ans. C'est ça. Votre femme est venue à votre chevet pendant 3 ans. Elle est partout. Et plus de elle nouvelles. Elle est repartie et plus de nouvelles. D'accord. Et tu connais pas les Draou et les maisons? Non, du tout. Et puis quand j'ai on repris le pas registre, ils sont partis il y a 5 ans pour Monsieur Maison et pas de signe de vie pour les autres. D'accord. Il va aller voir Lenny. Il va trouver. Lenny, normalement, il va tout trouver. Et où les habits? Alors, vos habits sont au bout du lit. Ils nous ont été ramenés dans un sac. Vous voulez que je vous aide, monsieur? Oh non, je suis pas une conne, il va arriver à foutre des habits quand même, à un moment donné. Vous seriez engourdi, tout simplement. C'est normal. Désolé, mes amis. Parfait, on va juste faire quelques petits tests de réflexes et autres pour voir si vous avez vraiment tout récupéré. D'accord. Ne serait-ce qu'au niveau de la vue et quelques petits exercices d'équilibre aussi. Et après, donc oui, non, malheureusement, les contacts que vous nous donnez, on n'a pas plus d'informations. Donc on fait juste ces derniers petits examens et après on vous laissera sortir. C'est d'accord. Alors, tu lui fais faire juste un aller-retour équilibre avec des petits exercices le long du mur. Et après, on verra au niveau de la vision. Très bien. Tu passes juste le doigt devant les yeux pour voir s'il arrive à bien suivre correctement. Très bien, c'est parfait. Suivez-moi, M. Collins. Est-ce que vous êtes... Appelez-moi, Miguel. C'est normal, quand il vous parle, il y a l'impression que vous êtes un écho à vous tout seul. Ouais, il y en a qui... C'est parce que vous avez une voix puissante. Vous résonnez dans cet hôpital, c'est pour ça. Alors. Je vous invite à marcher le long de la ligne, ici. Le long de la ligne. Merde, là. Il revient après ou qu'il y avait? C'est parfait, tout va bien. Refaites le même chemin en sens inverse. Oh, compliqué. Ils n'étaient pas comme ça les médecins avant, Los Santos. Ils venaient, ils faisaient un médicament, on partait. Hein. C'est bon? La médecine a beaucoup évolué. Ok, alors pour l'équilibre, je n'ai pas noté de point particulier. Il suit quoi? Suivez le doigt de. Ah, suivez mes doigts, regardez. Ah, alors, regarde. Si. Voilà. Si. Si. Pas de raideur ou tout va bien, les réflexes sont bons. Si, sauvez mon doigt. Je prends. Sauvez mon doigt. Ouais. Voilà. C'est le vôtre aussi. Okay. Vous avez l'air de bien suivre. Il y a quand même une connexion, c'est parfait. Ok. Bon, pour moi, j'ai pas de soucis. On va pouvoir vous laisser repartir tranquillement. Faites attention, surtout quand vous prenez le volant. J'aimerais bien ne pas vous retrouver trop rapidement dans les mêmes circonstances qu'on vous a amené. Si, mais je suis un homme nouveau, c'est normal. Ben oui. 5 ans, mais un homme nouveau, d'accord. Eh ben écoutez, c'est 5 ans passés, profitez-en pour vous refaire une petite vie et profiter de cette belle ville. D'accord, c'est bien, et ben il est content. Bon courage, merci à vous, c'est gentil. Ben merci, bonne journée. Je vous en prie, je vous accompagne. Pas,
Si, accompagnez-moi, je ne connais pas cet endroit. C'était pas comme ça l'hôpital avant, non? C'était centre-ville? C'était en centre-ville, ouais, on a déménagé les locaux pour avoir un peu plus de matériel. D'accord. À gauche. Parce que malheureusement, l'autre hôpital, le matériel tombait un peu en panne. Et prenez bien le rez-de-chaussée. D'accord, bon bah bon courage. Bon courage à vous. Et bonne journée. Bonne journée. Et monsieur Collins. Si, c'est moi, vous avez ma belle. Appelez-moi si Miguel. Très bien, monsieur Miguel. Si jamais vous avez besoin, sachez que demain, j'organise une distribution de colis alimentaires si vous avez besoin de nourriture. Qu'est-ce qu'il dit? Mais tout le monde pour un clodo. Il est où, Miguel, les vagos? Enchanté, monsieur Miguel et Vagos. Ah, bah, doudou, il me prend pour un colo. Mais il ne faut pas un clodo, il n'a pas besoin des. Je propose à toutes les personnes qui ont envie de manger, tout simplement. Ah, d'accord. Bon, il trouve les nids. Il doit trouver les nids. Il trouve les nids. Il trouve ma femme. Il trouve Eli, il trouve Inigo, on trouve Rose. Después, on va yak. Et on est bon. Et Foub. Et mi téléphone. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un icon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Un contact. Oh, il n'y a plus de contact. C'est un nouveau téléphone. Abid? Bon, il faut y trouver Yoni. Je vais demander à toi. Bonjour. Excusez-moi. Allô, ça s'appelle Coute? Ah, ça s'appelle pas. Il me permet, hein. Il revient. Ah non, vous pouvez ouvrir la voiture, s'il vous plaît? Ah, vous comprenez rien. Putain, il va prendre le prochain. Il y a le débile, celui-là. Ah, une voiture. Nickel. Ah non, putain, ça va pas recommencer. Il ne me respecte toujours pas, Los Santos. Ça commence pas bien. Oh, voilà, nickel. Madame, il m'excuse. Miguel Levagos. Il réceptionne. Lini vous paye après. C'est bon souci. C'est un tour! On est parti. Des fois, il n'y a pas le boil de Nathan Cook tout à l'heure. Si vous avez un problème, il y a de la manne. Famille des putes. Bordel, il a fait le recrutement, Lenny. C'est qui, ça? Hola, que tal? D'onde est-ce, Lenny? Je te comprends pas, mec. C'est, il a dit, il cherche Lenny. Lenny? Si, le boss. Le Vagos. Je suis Miguel, numéro 2, Vagos. Oh, putain. Comment dire? Quoi, comment dire? Il est où, Lenny? Il est mort, mec. Il est plus là, hein. Donc, quand tout lit est mort, c'est-à-dire. Mais bah, il s'est fait. Ta gueule. Il s'est fait assassiner par les familles il y a 5 ans. 6. Comment Lenny s'est fait assassiner par les familles? Ouais. Et comment. C'est Lenny a été assassiné par les familles? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est... Mais tu sors d'où, mec? Il paraît qu'il... 6 ans, il y a la moitié du quartier de Cher, je crois. Il paraît qu'il était dans le coma. Dans le coma? Si. Un accident de voiture. Et... Où est Ailey et ma femme, Kim? Et Inigo?
Alors ça, par contre, aucune idée. Je les connais pas. Je te connais toi et Lenny de nom, mais Kim, je sais pas qui c'est. Désolé. C'est qui décide les quartiers vagos maintenant? C'est moi. Je te donne mon numéro. Si tu as une information, tu m'appelles. Ouais, ça marche. Il n'a pas changé depuis le temps. 3997, Miguel. C'est noté, mec. C'est quoi ton numéro? Attends, je t'envoie un message. Je sais pas comment il marche ce téléphone. Avant on avait un téléphone tout petit, maintenant c'est un gros téléphone. C'est Smoke, ton nom? Oui. Et il vient juste. Comment il est enregistré sous ce truc? Et non. Non. Attends, il cherche parce que je suis nul. Ah là, il est Smoke. Smoke Vagon. Ok. Il vient peut-être te voir, il faut y avoir un ami, puis après il arrive. C'est qui ça? Ouais, si t'as besoin de. Si t'as besoin de quelque chose, hein, avec un ancien. Tu me dis, si t'as besoin de bosser ou quoi. Tu me dis. Ok? D'accord. Mais je t'avoue que les choses en ville ont changé et ça va te faire un gros choc. Hein. Léonie, ils sont plus là. Tu l'appelles, il a rien à foutre ici. D'accord. Et tu as pris mon numéro au besoin? Ouais, c'est bon, je l'ai, gros. D'accord. Merci. Et fais gaffe à toi, gros. Merci.
Allez-y. Il est où? C'est la même chose. Il est où? Fab! Lunacien! Bordel, mais ils sont où? Il rigole, putain. Sortez-moi de là, c'est pas possible. Et... Il y a un bouffable. Il est pas où il est, fou. Il est peut-être parti travailler. Il veut... Et quoi, il peut faire ça. Il peut le faire, je vais demander. Bonjour. Ouais. Allez. Luna. Dis-moi qui travaille. Lenny, il est mort, ma femme elle est plus là. Personne ici où sont passés les autres. Allô? Allô? Oui, bonjour. Miguel de la Vega, gérant du vignoble à l'appareil. Que puis-je pour votre service? T'es qui, toi, putain? Il est où, Foub? Ah, je suis désolé, je connais pas du tout monsieur Foub. Si! C'est le domaine! L'ancien monde d'attaque! Et Foub! Torres! Non, je suis désolé, monsieur, je suis vraiment désolé, je connais pas de monsieur Foub. Si! C'est le propriétaire! Il fait tout te brûler ton truc. Il est où? Où t'as mis fou? Ah non, c'est pas possible, monsieur. Où t'as mis ton ancien? Il est sur ton parking. Il veut tout à quelqu'un, moi. Il veut tout tuer. Il veut tout tuer. Monsieur, calmez-vous. Il ça sert à rien. Tout le monde dit pas calme-toi. T'es où? Il vient te chercher. Tout libère, Foub. Écoutez, pas la peine de venir me chercher. J'arrive. Vous êtes au vignoble? Et sous vignoble. Je prends la route. Je prends la route, monsieur. Ne vous énervez pas. Ça sert à rien. Je prends la route et je vous rejoins au vignoble. Je vous m'attendez sur le parking? J'arrive. Si, il bouge pas. D'accord, je fais au plus vite, je fais au plus vite. A tout de suite, monsieur. Vous êtes monsieur ? Miguel. Vous appelez également Miguel, c'est ça ? Si, il m'appelle Miguel. D'accord, bah écoutez, je prends la route, je suis là dans 5 petites minutes. Bonsoir. Sur une échelle de 1 à 10, vous me détestez comment? Vous allez bien? Ça va? Tout le monde va bien? Je vous avoue que moi aussi ça me fait bizarre. Sur une échelle de 1 à 10, vous... comment? 10 000, 1 million, 100 000?
Bienvenue sur cette saison 2 de Miguel. Où ça me fait un petit quelque chose parce que déjà RPZ a beau être fini, ça me manque parce que c'était génial. Et de deux, parce que je voulais vraiment conserver ce personnage de Miguel qui me tient à cœur. Vous allez découvrir un peu tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, suite à un accident de voiture, Miguel est resté 6 ans dans le coma. Et après 6 ans, bah voilà, vous l'avez aujourd'hui. On fera très peu d'HRP, hein, c'est quasiment le seul HRP que je ferai aujourd'hui. Voilà. Et on est sur mon serveur à moi, 21 Jump Click. Vous avez les infos juste en dessous du lecteur, voilà, qui est un serveur sans prétention. J'espère que vous continuerez de kiffer. Vraiment, je pleure fort. Pour moi, c'est un peu difficile parce que je dis aussi au revoir à plein de personnages. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère surtout que vous continuerez à kiffer autant que j'ai pu vous faire kiffer sur RPZ. Voilà, vous êtes plus de 20 000, merci à vous, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. On est parti pour une toute nouveauté parce qu'on est sur un serveur Sirius RP. Et ce serveur a beau être le mien, on a tout à refaire. Vous avez bien compris qu'il n'est plus numéro 1 des Vagos du tout, il n'est plus numéro 2 des Vagos, il n'est plus rien, qu'il n'a plus aucun copain et que c'est la merde. Vous disiez qu'il n'y a plus les cyclistes, ces cyclistes seront toujours là. C'est les cyclistes de Duna, et ça c'est important. Mesdames et messieurs, j'espère que vous vous plairez vraiment. Merci à vous, merci d'être présents. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous. On va continuer le RP, bien entendu. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Bien sûr que les personnages vont me manquer quelques temps, mais je pense que Miguel est sûrement ma plus belle création et j'ai envie de continuer de la partager avec vous. J'ai envie de continuer à jouer avec vous et surtout, on va avoir du sacré boulot avec Miguel. Mais ça, c'est maintenant. Merci à vous en tout cas. Et puis on est parti. On stoppe le HRP. On est parti dans l'histoire. C'est parti ! Ah, si j'ai pas dit ! Merci à tous les subs, tous les follow, les resubs, etc., etc., etc. Voilà, je ne l'ai pas dit. Et ça me semble important. Je vous avoue que ce soir, je suis pas en mode fiesta, je suis un peu en mode gorge serrée, ça doit s'entendre. Parce que c'est une page qui se tourne et c'est pas forcément facile non plus à jouer en mode « Ah, j'ai perdu tout le monde !» Ah, c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire. C'est normal. Qu'est-ce qu'il fout, le cognon? Qu'est-ce qu'il faut? Il m'a dit 5 minutes, il vient jamais. Bien là, voilà qui m'explique. Où est-ce qu'il a mis tout la sien? Où est-ce qu'il a mis? Bonjour monsieur. Eh Mouyol, qu'est-ce que c'est ça? Château Evans? Il y a 6 mois, le vignoble a été racheté par Tristan Madère et Marie Evans. Il était laissé à l'abandon. Et malheureusement, Marie Evans nous a quittés trop tôt. Non, on a voulu rendre hommage au vignoble et à cette grande dame qui a été Marie Evans. Mais je m'en fous, je ne connais pas. Renommée. C'est le château de Donatien et Montalac. Je suis et désolé. Et Torres. On n'a jamais entendu parler de Monsieur Torres. Vous n'avez pas entendu parler de Monsieur Torres? Jamais. C'est Fabien Torres. Créateur de Fabien Torres. Je suis bien d'accord avec vous, Monsieur Miguel, mais malheureusement, je ne connais pas ce Monsieur Torres. Je suis vraiment navré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était il y a longtemps?
5 ans, 6 ans. Je suis désolé, ça fait pas si longtemps que ça que le vignoble a été racheté par Monsieur Madère et Madame Evans. Je suis vraiment navré, ça fait 7 mois tout au plus. Et vous n'avez pas les numéros des personnes? Des anciens propriétaires? Non, malheureusement, je n'ai pas. Je suis vraiment désolé, Monsieur Miguel. Vraiment navré. Je sais pas comment vous aider. Est-ce que je peux vous proposer un verre à l'intérieur? Non, ça va aller, merci, c'est bien dit. C'est bon, Bligué, pour moi, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une vie. Il y a eu un accident. Oui. Et depuis, il n'y a plus rien. Comment ça? Enfin, vous avez eu un accident... Un accident des voitures. Ouais. Et quoi, vous, les médecins vous ont pris en charge? Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins m'ont dit qu'ils sont restés dans le coma 5 ans, 6 ans, il n'y a pas compris. Waouh. J'imagine que ça ne doit pas être facile du tout. Et vous avez pu recontacter des amis que vous aviez? Il n'y a pas mon téléphone, c'est un autre téléphone, c'est le même numéro, mais c'est un autre téléphone. Il n'y a pas les numéros, il n'y a personne. Il n'y a pas ma femme, il n'y a personne. Il est soit dans le quartier de Vagos, parce qu'il est sous le numéro 2 de Vagos. Hello, personne. Ah bah du coup, vous connaissez Tom? C'est qui ça, Tom? Je sais pas, Tom Neal. C'est un ami à moi que j'ai rencontré du temps où il bossait au Venise. Maintenant, il travaille pas, avec. Il a rencontré, il s'appelle Smoke, Vagos. Ah, je sais pas, je connais pas de Smoke au Vagos. Vous avez son numéro? Je peux peut-être voir si j'ai son numéro. Miguel. Si, c'est Miguel. C'est qui Tom Neal? C'est moi. Ah, d'accord, c'est bon. Oui, c'est lui, c'est Tom Neal. Ok, merci. D'accord, c'est okay. Un mec qui me dit un Vagos, c'est Tom Neal. Il dit non, c'est Smoke. Ouais, mais c'est pareil. D'accord, Smoke Neal, d'accord. Merci. De rien. J'ai rien compris, moi. Vous êtes tous tarés ou quoi dans cette ville? 5 ans, vous êtes tous pétés de plomb? Pourquoi il y a plus les sangliers d'ailleurs? Ils sont où les sangliers? On a des biches. On a des biches. Des biches? Sangliers, on n'a jamais eu. Oui, il y a des biches et des sangliers. Il était là hier, il y avait des sangliers. Hier soir? Si, hier soir, il y avait des sangliers. Il était là avec Donatien et une Fab. Et on faisait une fête. Il y avait Los Santos Got Talent. Et después, il arrive là, il n'y a plus de sangliers, il n'y a plus de Fab, il n'y a plus de femmes. Vous me dites que vous étiez là hier, mais que ce matin, les médecins vous ont annoncé que ça faisait 5 ans. Tout va bien, vous énervez pas les gars, vous pouvez retourner à vos occupations. Il y a 5 ans, les médecins vous ont réveillé ce matin et vous ont dit que ça faisait 5 ans que vous étiez endormi. Ah si, c'est vrai. Du coup, vous pouvez pas être là hier soir. Et non, mais comme moi, c'était comme hier soir. Ils sont un peu perdus, normalement, ils sont un peu perdus. Oui, c'est vrai, je comprends, c'est un peu délicat. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Non. Peut-être non. Essayer de retrouver avec vous des connaissances que vous aviez à l'époque. Et non. Non, je sais pas. Ah, je sais, putain, je sais. Merci, monsieur. Dites-moi. Monsieur Miguel. Merci à vous. J'ai une idée, c'est bon. J'ai une idée. Oh, une fille. Oh, putain, une fille. Oh, il est la meilleure fille de l'année. Oh, je sais. Je sais. C'est bon, je sais qui c'est qui va tout arranger. C'est bon. Il est trouvé. Bon, si tu réfléchis bien, Miguel. Et hop là, tu me conduis comme un cognon, mais ça change pas. Et si tu vas chercher le maire, il va pouvoir tout arranger. C'est un niche. C'est normal, c'est mon maire préféré. C'est un niche, c'est bon. Miguel, oh là. C'est un tour, c'est ok. Il pense que... Ah, putain, il a pété la voiture. Oh merde. Madame, ça va? Je pense que ça va. Il peut y aller. Ah, là, il faut une sieste, mais Perro, ça va. C'est bon. Il va chercher le Yench. Il hésite. Ah! Ou il va chercher Boyle. Il pense où l'un ou l'autre. Il pense qu'il peut trouver une solution. On est parti! Allez! Il pense qu'il y a enfin la bonne idée. La bonne idée. Et il pense que c'est une bonne idée et qu'il va faire la fête. C'est bon. Il va trouver. Ma femme, on va la trouver. On va la trouver tout le monde! Mais Lenny, il est mort. Mais comment les familles sont tuées, Lenny? Pourquoi les Neal Smoke?
Je sais pas comment il s'appelle, il l'a pas vengé ça. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est une ville de débiles. Vous êtes dans un appartement miteux, il y a beaucoup de cafards qui disent « Ah putain, il conduit ! C'est quoi, c'est un spam ça ? Oh putain ! Oh, il a pété la voiture ! Oh, c'est la merde ça ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un spam ! C'est un spam ça, c'est comme un spam ! Il y a beaucoup de cafards qui disent « Putain, attendez, Gaz Garcia, vous débarrassez des problèmes nuisibles ?» Il m'en fout le Gaz Garcia, qu'est-ce que c'est que ce merde ? C'est une merde, c'est un spam ! C'est... Qu'est-ce que c'est cette société où il y a des spams ? Quand même, une merde ! Moi, je crois que cette voiture est morte. Bon, il faut y en trouver une autre. C'est pas vrai, il n'y a pas une spam quand même. Qu'est-ce que c'est que cette ville? J'ai trouvé. Et... Merde, ah, je vais faire ça. Excusez-moi, monsieur. Pardon de déranger, mais il emprunte votre scooter. Non? Bah si, il avait dit qu'il emprunte ton scooter. C'est pas un... Il avait parce qu'il y a une voiture, mais c'est bon. Il est sous nickel. Il aurait peut-être dû prendre une chose qui avance plus vite. Elle était où la mairie? Si, je me rappelle, il a voté une fois là-bas. C'est où? Si, là-bas. Ah! Kenneth! Il veut demander à Kenneth! Kenneth, qu'est-ce que c'est? Life Invaders? Non, c'est... Mais... C'est bon, il veut demander... Kenneth! Ils sont où? Il n'y a plus personne? Il n'y a personne. Bon, il voit le maire, tout de suite. Aïe. Putain, il aurait dû voler un autre véhicule. Celui-là est beaucoup trop lent. Il est passé par là. Il m'en fout, il peut le faire, il connaît bien le yinch. Impeccable. Hop. Oui.
Et bonsoir. Eh oui, madame. Et il vous appelle oui. pour une chose. Il veut voir le maire, le chien. Le maire, le chien ? De qui vous parlez ? Le maire de Los Santos, le chien. Il n'y a pas de maire à Los Santos en ce moment. Il y a un gouverneur, si vous voulez. Il était le maire hier. C'est un chien. Et il a gagné face à un chien de Montadac. Comment ça ? Mais hier, comment ça ? Non, j'étais là hier, il n'y a pas eu d'élection de maire ou quoi ? Non, alors non, hier, il y a 5 ans. Non, c'est un... Ah oui, donc du coup, ouais, le délai, c'est pas le même. Oui, parce qu'il y a un souci, il y a un petit problème. Et vous devez voir les chiens ? Alors là, pour le coup, s'il y a 5 ans, j'ai pas du tout de contact avec un ancien maire appelé le chien. D'accord, vous n'avez pas de contact avec le chien Non. D'accord, c'est une bonne idée, ça. C'est bien pour moi. Bonne chose. Bah ouais, pour le coup, 5 ans, ça remonte à loin. Je suis pas arrivé il y a aussi longtemps. Bah ouais, non, d'accord. Bon, bah d'accord. Bah merci à vous. Bon courage. Bah bon courage à vous. Faut pas. Si, qu'est-ce que tu disais ? Non, je disais, faut pas hésiter si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Si, c'est quoi cette ville de Caen ? Comment ça ? C'est une ville de débiles. Ah bon ? Il n'y a plus rien qui ressemble à rien. Ouais, mais en 5 ans, ça a changé, quoi. Si, il y a des nouveaux buildings. Il y a des nouveaux... Ouais. Si. Bah ouais, ça évolue, quoi. 5 ans, il y a eu quand même pas mal de changements. Si. Après... Si. Je vois pas trop qui je peux vous conseiller d'aller voir. Rien ? Non, vous l'avez toujours pas. Bah non, du coup, non. Hein, en 5 ans, vraiment, hein, ouais. Je pense qu'il y a plus grand monde. Hein. Je sais qui je vais aller voir. Il y a une idée. Merci, okay. Bon courage. Et bah bon. Ici. Ah, c'est bon. Il va tout arranger. Il va aller voir le cook. Oula, c'est un peu pareil. C'est pareil, c'est pas un... Il va sonner. C'est pas du tout comme... Il est venu hier, ça ne met pas ça. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Bonjour. Si, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire que au lieutenant Cook qui est ici ou au capitaine Boyle ? Lieutenant Cook ? Capitaine Boyle. Non, co-commissaire. Si, commissaire Cook. Non, commissaire. Attendez, c'est compliqué parce qu'ils ont foutu des titres honorifiques pour les deux. Et je crois que c'est commissaire Boyle et co-commissaire Cook. Je crois qu'on n'a pas ça chez nous. Si, vous êtes à SPD. Oui, mais... Si. Donc, il veut voir le commissaire Boyle et le co-commissaire Cook. On n'a pas ces personnes chez nous, monsieur. Si vous, êtes, vous êtes le SPD. Oui, on a le SPD. Ça va pas changer, vous êtes toujours aussi con. Si. Merci. Et vous en prie, c'est normal. Et parce que vous dites que c'est... On arrête la blague, vous dites que c'est Miguel de Vagos. Attendez. Miguel. Si, écoute. Il y a peut-être une... Ailey, ça te dit quelque chose ? Si, Ailey, il connaît, ouais. Viens au quartier, elle est là. Y arrive ! De toute façon, les flics sont toujours aussi cons. Ah oui ! Ah merde, il a accroché au nez. Ça se gêne pas non plus. Ailey ! Y arrive ! Il est soit fond, là ! Il peut pas aller plus vite ! Il a encore choisi le pire véhicule du monde ! C'est la merde ! Allez ! Donne tout, Miguel !
Mais c'est pas possible! Tu as volé le pire véhicule de Los Santos! Je pense que tu pouvais pas faire pire, Miguel, c'est vraiment la merde! Ah ouais, là, on n'est pas prêt d'arriver. Si vous voulez faire une sensation de vitesse, c'est foutu. C'est foutu, mais bouge-toi de là! Mais barrez-vous! Et sans inverse, je suis une fou! Allez, je fais une roue arrière! Wouhou! Oh putain! Oh, il a failli me foutre en l'air! Ouloulou, il va prendre la course habituelle. Ah, ma maison. Il arrive tout à l'heure, maison. Il passe par les raccourcis. Il prend les raccourcis en dessous. Hop. Sous le porche. Il connaît. Olé. 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 Oh, pff. Oh, là, putain. Oh, putain. Oh. Ça va? Si, mec, c'est... ça va? C'est pris une vitesse. Ça va trop vite. C'est... Ah, c'est, ouais. C'est un peu un cheval de la route. T'as plus l'habitude, gros. Si. Oh, allez. Ça va, je vous entends. Allez, bordel de merde. Elle a un problème, elle nous entend. Non, c'est bon, elle nous entend, elle nous entend. Si, Ellie ? Elle nous entend, c'est bon. Non, 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 elle a un problème, je sais pas. Elle a un problème, mais si, mais elle a pas toutes les cases, elle a fait beaucoup des cambriolages. Ouais, je t'entends, ouais. Si, mais on décalé, il y a quoi qu'elles sont décalées. C'était la question d'il y a une minute, mais c'est d'accord, écartez-vous ! Et c'est comment on règle ça ? Vous allez voir, c'est génial. Ellie, je t'entends rien. Je suis tout désolé. Oh merde. Aïe ! Ah là, t'as là, tout ça, la douleur. Non, 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 elle va me foutre au sel. Non, attention, c'est meilleur combattante. C'est meilleur combattante. Olé. Olé, la gagne de la poigne. Stop, pas ici. Olé. Pas ici. Rodriguez. Oh. Miguel. Allô. Si. Si. Oh merde, il est foutu un souli d'un côté. Pardon. Aïe. Allez, désolé. C'est bon, pardon. Non, on va se calmer. Ouais, pas grave. On n'entend pas. Est-ce qu'elle elle est sourde? Oh non, vous n'allez pas me dire qu'il retrouve la seule personne qui y connaît, elle est sourde? Non. Ouais, je sais pas, c'est pas de bol. Je sais pas, il avait tenté le langage des signes. Bah, je l'ai tenté aussi, ça. Est-ce... Ah, on a tenté. Toi, entends-nous, il fait ça, les signes dans le ciel. Non, non, quoi. Ah, ça y est. Elle est devenue conne. Oh merde, putain, la seule personne qui y connaît, elle est débile. Qu'est-ce que vous y avez fait? Ah, rien bah, du tout. Pour l'instant, rien. Elle est juste tombée malade. Mais je sais pas ce qu'elle avait. Ellie? On comprend pas. Peut-être les rougeurs qu'elle a chopées, hein. Si. Ça atteint plus que les lèvres, là. C'est moi qui ai fait vite. Si? Oh la complexité. Oh la complexité. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle a pas l'air normal. Je pense que c'est les pires retrouvailles de l'histoire de l'humanité. Oui, c'est important. Les gars, allez faire un tour. Allez faire un tour. Tout autour. Avec les Ellie, va voir le docteur Lobby au cas où. Ouais, comprenez. Mais tu es saoul qu'elle est pas débile? Vous l'avez pas tapé? Non, non, on lui a rien fait, Miguel. Vous l'avez pas mis un truc dans les. Non, mais non. Dans les lectum? Non, 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 rien du tout. Vous avez pas mis un. Vous avez pas essayé de vous mettre un cucaracha dans les hucs? Non, 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 non. Non, parce que c'était mon klaxon préféré, le cucaracha. Pero. Et. Il me permet. Pero. Et vous, les. Comment les vagos en vélo? Comme ça, comment les vagos en vélo? Mais comment. Pourquoi vous prenez des vélos? Vous prenez une voiture? Voiture des vagos! Vagos, vagos, vagos! Ouais, mais ils étaient sur des vélos. Pourquoi les vélos? C'est famille, les familles de putes, les vélos. Et. Il y a une question. Dis-moi. Qui c'est qui a trouvé les nids? Je sais pas. Je sais juste que c'est les familles. Je vais faire une enquête et je vais tous les tuer. C'est qui les chefs des familles? Toujours un petit? C'était aux dernières nouvelles, c'était Liam, chef des familles. Comment? C'est Liam, le chef des familles? Oui. Mais comment c'est Liam, le chef des familles? C'est compliqué. C'est vraiment la merde. Excusez-moi, parce que moi, il y a quand même un problème. C'est que... Ouais, mais il est mort, Liam. Comment? Liam, il est mort. Mais vous avez buté tout le monde? Nous, on a mis des années, on n'a jamais buté personne, et vous... Mais qu'est-ce que vous avez foutu? J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. D'accord, donc... Tout le monde il est mort, excusez-moi, tout le monde il est mort, il s'est barré ou il a un problème et la seule personne qui y connaît elle est moitié débile. Ellie ? Elle est peut-être amnésique. Hein. Non mais je pense qu'elle est débile, il y a une case qui a pas pété. Je sais pas. C'est possible.
Elle était à l'hôpital avec toi ou pas? Ah non, il y a eu personne à l'hôpital. Il y a eu un docteur débile, débile aussi. Il m'a dit, ah, il n'y a pas quoi, il n'y a pas compris. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Ah. Ellie? Eh bon, on n'a pas rendu. C'est le choc de me voir. Je sais que normalement, toutes les femmes, quand elles me voient, elles font ça. Mais il ne faut pas le dire à ma femme, sinon il va y avoir un problème. Bon, pendant qu'avec son problème de... Je sais pas si c'est un problème de vie ou un problème de... Voilà. Il y a une question. Donc, c'est si bon. C'est toi qui es les vagos. Et moi, il y a un petit problème. Parce qu'il n'y a plus de boulot. Moi, j'étais numéro 2 des vagos, il n'y a plus de boulot. Ouais. Ça, ça s'arrange. Si. Et... Si c'est que ça, ça s'arrange. Quand Elie va aller mieux, et on fait un bon binôme. Avant, il retrouve ma femme, ça fait un trinôme. Il retrouve Inigo, ça fait un quadrium. Et il retrouve Denis, mais non, il est mort. Écoute, ce qu'on fait, je me renseigne sur tous les autres noms, je me les note. Ok. Je me renseigne pour essayer de trouver les noms, savoir ce qu'ils sont devenus. Et dès que j'ai des infos, je te rappelle. Si. De 1. Si. C'est quoi, Kim? Kim et Inigo? Kim, ma femme. Ouais. Inigo, Montoya. Le nom de famille, c'est Montoya. Montoya, ok. Si. Et... Qui est l'autre? Rose, sa femme. Rose. Si, la femme d'Inigo. Et después, Raccoon est mort. Denis est mort. Si. Si, il cherche aussi Foub. Foub. C'est fou. Ah, si, FUB. On m'a appelé, c'est un patron des vignobles, c'est ça? Si, et c'est le FUB, monsieur Montoyac, ou d'où l'ancien. Il cherche aussi Roy, qui est un speaker. Roy? Et quoi, son nom, c'est Marx. Il cherche aussi Yoni. Tu connais Yoni? Il tient les poubelles. Avec monsieur Gondra. Non, je connais pas. Non. Les croûtes? Ça te dit quelque chose, les croûtes? Non plus. Rien écoute. Et d'accord. Bon. C'est un peu la merde là. J'ai l'impression qu'il débarque d'une autre planète. Ouais, bah ouais, j'imagine. En 6 ans, il y a des choses qui se sont passées. Hein. Si. D'accord. Mais il n'y a pas trouvé Ellie. Il ne sait pas où elle est. Et. Elle est là-bas, près de la route. Si. Et vous, les vagos, vous faites quoi maintenant? Nous, on a le business de weed. Mais ouais, c'est tout? Oui. Mais comment vous avez gagné Win? Bah parce que les remplaçants des O'Neill, on va dire, et bah, c'est eux qui décident et du coup bah, on a que la weed pour le moment. À mon époque on avait tout, la weed, la cocaïne, les meth, les armes. On était les rois du pétrole, on avait l'alien, on a fait un coup, un braquage des banques, 20 millions. 20 millions 20 millions de dollars. On a osé tout le monde, on a acheté un avion, on faisait des choux en parachute, on avait des voitures, il y avait une zone tourneau. Ah, je crois qu'elle est cassée. S'il était à l'hôpital, je crois qu'elle est cassée. D'accord. Ouais, bon. Grande chance, ouais. D'accord, bon, j'ai compris. S'il y avait du boulot, il t'appelle? Ouais, pas de soucis. D'accord, il va éviter de tétouer. Il a envie de tétouer, comme ça il deviendrait le chef des vagos, pero... Il sent que c'est pas une bonne idée. Il sent qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Il va réfléchir. D'accord. Bon. Si tu vois Ellie, tu donnes mon numéro. Et ouais, ça marche. D'accord, il te laisse le scooter, c'est pour moi, c'est une merde. Ouais, prends une voiture, hein. Serre-toi. Si ? Ah d'accord, il prend une Yon. Ah, une Yon, c'est bien. Super ! C'est super ! Et pourquoi c'est pas les coca à chat ? Parce que les gars du quartier, ils ont mis le bon klaxon dessus. D'accord. Bon, et les vagos en mousse. Il faut y attendre les 10. Il n'y a pas les cucaracha, il n'y a pas les vagos en mousse. Est-ce qu'elle m'entend? Coupter! Oh merde! Oh, j'ai trouvé Ellie. Ah non, c'est bon. Il faut pas le renverser, Miguel? Non, non, mais c'est une habitude. C'est un signe d'affection. Des fois, moi, il percute des gens quand il les aime. C'est important. D'accord. Si, c'est important. Ellie! Oui. Ah, bah c'est bon, tu m'entends? Oh, c'est mieux. C'est bon? Oui, par contre, t'as un visage d'homme, c'est bizarre ça. Mais c'est, ouais, pas, je sais. C'est pas grave, tu sais quoi, c'est pas grave, il est super simple. Et monte dans la voiture, il y a plein de trucs à tout dire. C'est le merde, on a plein de gens à chercher.
Monsieur Smoknil, merci à toi. T'es gentil. Pas de souci. Il était tout pas. T'es gentil. Merci. Bon, il y a des mauvaises nouvelles. Ellie ? Oui. Ah, tu m'entends ou tu m'entends pas ? Oui, oui, je t'entends. Ah, ça va si, être compliqué. Si, je t'entends. Si, si. Il a dit que déjà, c'est les wagons sans carton. Mais, tu m'entends pas ? T'es devenu idiote ? C'est un tour ! Non, je suis pas idiote ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, putain, de l'aile décalée ? Donc, t'es devenu... Mais je sais pas. T'es devenu... C'est le décalage horaire, je crois. Le décalage horaire ? D'accord. Tu vas faire un docteur lobby ? Oui. Ça a l'air compliqué. On va travailler avec à peu près un quart d'heure de retard, ça va être pratique. Si ? C'est le jack lag. Hein ? Ah, il est pas compliqué un peu plus. Mais si, c'est bon, je t'entends. Il va faire une burn-out direct. Non, pas burn-out, pas burn-out. Si, burn-out, il n'y a plus personne. Il y a Pokim, elle n'est pas là, il ne sait pas où elle est. Lenny, il est mort. Oui, oui, je sais. Et toi, t'as à peu près 12 minutes de retard. T'es devenu un retardé. Mais non. Si, t'es devenu un retardé. J'ai l'impression que tu m'entends tout en décalage. Mais non, je t'entends bien, là. Si, tu m'entends? Oui, je t'entends. Si, alors ça va. Oh là là, il est saoulé. C'est vraiment la merde. Il est tout fait. Il est saoulé chez mon boyac. Il est pas là. C'est pour lui, le patron. Les médecins m'ont dit qu'il y a eu un problème, il y a eu un coma de 5 ans. Ouais. Non, t'as un retard là, si, t'es devenu un retardé. Si, t'es devenu un retardé. Il va chez le médecin, il t'amène au docteur. Il peut pas, moi, c'est pas possible. Il peut pas que ma seule amie, ma complice, c'est un retardé, c'est pas possible. Il t'amène chez le docteur. Il m'en fout. T'amène où le médecin? Je crois que j'ai un acouphène, ouais. Je crois que j'ai un gros acouphène. T'as un acouphène, si. Moi, je crois que c'est un gros tardé. Ça va être compliqué, hein. Oui. Attends. Et c'est pour que t'as travaillé dans le porn depuis qu'on sait vous ou quoi? Si tu es retardé comme non. Ça, je pense que c'est une question de ça, hein. Non? Et c'est la première fois que t'es retardé comme ça ou ça t'arrive souvent? Je sais... Mais non! Non, mais non, ça m'arrive pas souvent, non. Oui, on comprend pas. Même quand tu cries, que tu m'entends pas. Qu'est-ce que... Dis pas. Ah, tout va bien, à l'hôpital. Et vous, alors, vous étiez là. Non, je vais pas sortir. Qu'est-ce qu'elle fait? Je... Fais pas l'enfant, sors de là. Fais pas l'enfant, sors de là. Je vois des choses bizarres. Non, mais il m'en fout. Je vois des choses bizarres. Elle est sourde là. Maintenant, tout me souvient, on va trouver un médecin. Oui, mais le problème, c'est que. C'est que. Ok. Bah, ok, ok. Je vois si. Pas grand chose. Qu'est-ce que tu vois pas? Tiens-moi la main. Je deviens aveugle. Oh putain, sourde total. Il y a un peu plus de toi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu deviens aveugle, ça y est. Ah, docteur. Bonjour, monsieur. Oh, la vache, c'est pas. De... Si. Vous avez parlé de monsieur. Oui, mais c'est pas que moi. Moi, ça va. C'est une légère. Ça me gratte la lèvre. Non. Si, ça me gratte un peu. Ouais. Vous avez des rougeurs. Je vois ça. Moi aussi, du coup. Je vois ça. Vous inquiétez pas. Attendez, oui. Oui, on va s'occuper de toi, Ellie. On est dans un hôpital. Si, on est dans un hôpital. Mais il écrit si je veux, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il écrit dans un hôpital, si je veux crier dans un hôpital. Et il vous présente, c'est comme ma soeur, c'est Ellie, Pierrot, elle a un problème, elle est retardée. Venez pas. Il faut que tu le soignes. Parce qu'elle a un visage de Basile. C'est pas normal ça. Elle a la tête de Basile et elle est retardée comme Basile. C'est une Basile. Et pourtant, il aime Basile, mais il veut Miley. Bon, c'est uniquement Monsieur Lobby qui peut, comment dire, régler le problème de tête. Par contre, si, mais moi, elle est devenue, avant elle était normale, mais là elle est retardée. Ah,
Ah, je vais commencer à retarder. Regardez. Ellie ? Oui. Regardez, vous entendez ? Ah. Oui. 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 Mais si, elle va pas bien. Il y a quelqu'un qui a touché à son cerveau. Elle a de la latence. Mais si. Si, si. Ellie ? Il faut que je passe Madame un truc. Qu'est-ce qu'il fait faire ? Vous pouvez vous en occuper ? Il y a tant, moi. Regardez-moi. Madame Ellie. Si. Suivez mon doigt. Ah. Attendez, 30 secondes. Il y a une idée. Est-ce qu'on peut sortir ? Voilà, là, c'est bon. Ça va mieux, là ? C'est pas... Si, c'est normal. Il a toujours fait ça, moi. C'est parce que c'est... Normalement, ça remet les idées en place. Lenny faisait ça. Ellie, c'est bon ? Non, c'est pas bon, c'est mon hôtel-dé. On est foutus. On est foutus, ils m'ont cassé, Ellie. Venez pas... Sous le sol, ami, qu'il y ait, ils m'ont cassé. Ouais, s'il vous plaît. Alors, pour la petite histoire... Il faut savoir que Miss Tartine joue en 4G et que ce soir, la 4G a décidé de la bourrer. Résultat, la pauvre. Voilà, on va l'utiliser, on va l'appeler la retardée maintenant. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Mais à un moment donné, on va jouer avec. Oh putain, merde. Je l'avais oublié, lui. Non, je l'avais oublié. Bonjour. Et moi, Yol. Je m'approche pas de vous, j'ai des rougeurs. T'es d'accord. Vous avez retrouvé Cook ? Eh non, y a pas. Si, y a. Oui, y a. Non, il n'y a pas. Si, il y a. Il vous dit qu'il y a. Bah, je ne connais pas cette personne, alors. C'est le commissaire, Cook, le commissaire, boy. Il n'y a pas. Et bah, il vous dit qu'il y a, vous êtes débile, vous êtes peut-être nouveau, mais c'est le commissaire de Los Santos. Et il y a Monsieur Monnier. Et il y a l'INSEE, des NCIS. Ah non, monsieur connaît pas cette personne. Et vous connaissez pas. C'est la police. Peut-être vous êtes nouveau, vous êtes un stagiaire. Non, pas du tout, mais j'en aurais entendu parler, monsieur. Mais je vous dis qu'on connaît pas cette personne. Comment ça, connaît pas cette personne ? Il n'y a pas cette personne au Lespidi, monsieur. Si, il fait... Vous êtes pas l'enfant. Et... Il pense que vous êtes un stagiaire, c'est bien, mais il y a le... Non, mais non, si, je suis pas un stagiaire. Si, vous êtes un stagiaire. Et sous-sous, vous êtes un stagiaire. Si. Il y a le commissaire Cook, le co-commissaire Boy. Merci. Mais je vous dis que, monsieur, je connais pas cette personne. Vous connaissez le chien ? Et l'inspecteur ? Pas d'inspecteur. Il n'y a pas d'inspecteur. Monsieur. Oui, non, c'est bon, il y a tant ma soeur qui est retardée. Ah, merci. Pardon. Elle a un problème de cerveau, elle est retardée, il y a tant ici. Le nom de votre soeur, c'est monsieur Miguel. Du coup, c'est... je dois vous laisser, monsieur, mais si. Essayez de vous renseigner sur la personne, parce qu'elle n'existe pas ici. Si, hein. Si, moi, je vous invite à vous renseigner, c'est vous, il y a peut-être... Mais je me suis renseigné, ça n'existe pas, monsieur. Il n'y a pas, c'est juste que vous êtes un stagiaire. Oui, bah... Bon, allez, bon courage, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs, merci. Merci. Ça n'a pas changé, ils sont toujours aussi cons. Ah bah ça, on refait pas le monde malheureusement. C'est des bons gros débiles. Et il demandait parce qu'il connaît bien le commissaire Cook, et le co-commissaire, mais il me dit qu'il connaît pas. Bah malheureusement, il n'y a pas de Cook ici, mais je pense que c'est un peu du même ordre que Docteur Maison, hein, c'est pareil. Et je pense qu'ils ont arrêté leur carrière à un moment propice en fait. C'est très possible. Bon bah il attend. Ça va vous sinon ? Et combien ça coûte maintenant d'acheter un médecin ? D'acheter un médecin, ça ne se vend pas. Hein. Pas les services sont gratuits. Non mais il n'y a pas un exemple. Bonsoir. Il y a un... Avant il faisait ça avec le docteur Traou. Donc par exemple, je vous donne une idée. Il arrive et donc il y a un problème. Par exemple, il y a une personne, ça se passe mal, il y a les plaintes. D'accord ? Il appelle un médecin, il le soigne pour qu'il replante, et il le soigne, il le replante, et después il donne une belle enveloppe au médecin. Ah, non, ça marche pas comme ça. Comment ça marche pas comme ça ? Ah, ça marche pas comme en ça. En tout cas, sachez que déjà, tous nos services sont gratuits. Hein. Vous parlez pas un peu fort, vous ? Non ? Il y en a qui parlent beaucoup fort. Il parle très fort. Oula, pardon. Votre ami est allé voir Monsieur Lobby. Elle arrive. D'accord. Et donc combien ça coûte ?
Alors, je vous ai dit, tous nos services sont gratuits. Hein. Les services sont gratuits. Non, mais... Donc, du coup, vous n'avez rien à payer. Et pour genre de prestations, ce n'est pas compris dans les tarifs et ça ne sera jamais compris. Enfin, du moins, tant que je serai là, ça ne sera pas compris. Mais... Après, c'est-à-dire... on verra comment ça se passe. Bah, ce genre de prestations, on ne fait pas. Vous prenez plus les enveloppes ? Ah non, on ne prend plus les enveloppes. On n'a jamais pris, surtout. Ni les chèques, ni les... Enfin, on ne prend pas. Pourquoi le monsieur sonne alors qu'on est à côté ? Des fois, je ne comprends pas. Si. Faut le dire. T'es un débile, faut pas sonner comme ça. Ça sert à rien, ils sont là, les médecins, débile. Voilà, vous dites là-bas, la base. Et... Faut pas crier comme ça. Si, c'est parce que les monsieur, comme c'était un débile et qu'il sonne alors que les médecins sont là, il dit que c'est un débile, comme ça au moins il est content. Ouais. Il y a des fois, les gens qui sont débiles, faut leur dire qu'ils sont débiles. Vous parlez un tout petit peu fort, monsieur. Ouais, oui, vous criez un tout petit peu. Venez sur le côté, monsieur. On montera à l'autre bout de l'hôpital. Mais c'est normal, il a crié. Sinon, ouais, mais faut penser aux ceux qui sont à l'étage et qui calme des patients qui le calme pour les patients. J'ai un peu mal à la tête. Je comprends pas vos histoires des patients d'étage. Monsieur, si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai un peu mal à la tête. Quand vous êtes arrivé, j'ai bu de travers. Quand vous êtes arrivé ici, si. Oui. Vous étiez bien à l'étage. Si. C'est là où il y a les chambres. Okay. Si. Du coup, s'il y a des gens qui sont à l'étage, il y en a d'autres aussi qui étaient comme vous dans cet état et qui se reposent aussi. Donc, pour respect de leur calme et de leur tranquillité, on demande aux gens de ne pas crier. Donc, si il faut, on résume. Les médecins, comment ça prend plus les enveloppes. Non, ça prend plus les enveloppes. Non. Vous payez un médecin pour pouvoir planter une personne, comme ça, il est... D'accord. Si non, plein... ça, pour faire vous allez chez un boucher. D'accord. Mais il n'y a plus, parce qu'avant, il payait très où 50 000, 100 000, il donnait plein d'ailleurs. Non, ça ne marche pas comme ça. D'accord. Par contre, si vous voulez vous amuser comme ça, vous appelez un boucher, vous lui demandez de pendre un porc et vous vous amusez sur le porc. Ah non, il fait pas ça, c'est parce que moi, il fait les... Ah, vous faites des vagues, c'est... Vous connaissez pas Ricky ? Ricky, un très grand boxeur, il boxait dans les cochons. Voilà, ça peut être pareil. Qu'est-ce que vous voulez planter ? Il y a un peu plus, oui, parce qu'est-ce qu'il me parle de Ricky ? Il y a un peu plus. Flèche, vraiment. Il y a un peu plus. Ah bah, quoi ? Il y a un peu plus. Non. D'accord, donc les médecins, ça vous pouvez être payé ? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non. Les médecins. Pas d'enveloppe. On est payé déjà. Si, mais moi, il est payé grassement, il était payé une maison. Il tout donne un exemple. Pas besoin d'une maison, d'accord. Ah, 50 000, vous n'avez pas de maison, hein, vous savez, l'inflation. Oui, inflation. Comment ça, on est payé maison, c'est 50. Une maison, non. 80 000 minimum, une maison. À la limite, 50 000, t'as une chambre sans fenêtre. Ouais, une petite chambre de motel. Ouais. 50 000, ouais, une chambre de motel. C'est 25 000, vous avez une petite chambre de motel. Ouais, deux chambres de motel. Mais qu'est-ce deux chambres de motel, sans fenêtre. Enfin, si on casse le mur, ça fait un duplex. Mais non, sinon, une belle maison, c'est... les très belles maisons, c'est 450, 500, 650, hein, voilà. Ah. Il faut travailler, ouais. Sortez l'aération. Mais... Non, c'est bien, il est smart. Je pense que c'est un petit massage cardiaque, là, peut-être. Non, c'est on va ventiler un peu. Est-ce que on peut me passer le balai, là-bas, s'il vous plaît? Janine, on a quelqu'un à faire enlever. Alors, par contre, c'est toi qui dis ça? La prochaine fois que ton motel a été détruit, tout, il était tout. Il était tout. Alors, tout ne me traite pas des balais. Il était dit tout de suite. Il était trappe. Il était trangue. Il était tout. Voulez. Pardon. Il dit, il attrape. Oh, une plaque. Bonjour. Ouais. Ah. Ouais, on va peut-être se procureur et Firo. On va peut-être se calmer. Ah, monsieur le procureur, il vous cherche. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais. Il cherche les commissaires Cook et les commissaires Boyle. Les commissaires Cook. Commissaire. Comment ça? Il n'y a pas de commissaire Cook. Si, c'était parce que c'est le commissaire Dubourg. Là. Non, c'est le commissaire Boyle et le co-commissaire Cook. Et il y avait le chien qui était lieutenant. Ah oui, mais c'est il y a 5 ans du coup. Hein? Comment ça il y a 6 ans. On peut m'expliquer la situation ans. Parce que je crois que j'ai pas tout le résumé. Là. Mais monsieur cherche des personnes qui étaient sur l'île il y a 6 ans à peu près. Ah. Demande ce qu'ils sont devenus. Oula. Pour faire simple, alors, moi j'étais pas intégré nos services milieu d'après-midi, début de soirée, et transfert suite à coma, et du coup on s'est réveillé là dans la soirée. Okay. Ah oui, le coma ayant duré 6 années. Donc, en 6 ans, des choses y sont passées. Oui, effectivement. Mais, c'est ça. Mais... Oui. Non, les Speedy, maintenant c'est le commissaire Dubourg, avec le capitaine Mason, et il n'y a pas de chien. Il n'y en a plus de coup. D'accord. J'aurais dû rester dans le coma, moi. Hein. C'est une bonne nouvelle. Non. C'est bien de se réveiller aussi. Oui, c'est mieux. Il est plus de femmes, il est plus de patrons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ma seule amie qui est encore là, elle est débile. Comment ça? Elle est retardée.
Elle est ret... Ah, elle... Ent... elle ouais. Je vois le problème. Ah. Non, si, j'avais un employé comme ça qui... À l'heure, comme ça. Qui était retardé. Non, non, mais là, elle est retardée un peu beaucoup. Elle a offert une montre, c'est ce que je voulais dire. Ouais, ça met du temps à percuter, quoi. C'est un peu plus de vous. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Il va faire une burn-out direct, il va faire une burn-out. Ah oui. Ah, si. Elle a vu votre collègue, le monsieur Lobby, Chantal. Le psychologue, il est au point là ou pas? Bah, je pense c'est que j'ai l'impression que. Le psychologue est présent. Oh merde, longtemps. C'est Louis. Ah bah oui, non, non, ça va pas le faire. Ah, c'est bon. Ah. Oh, dis-moi qu'elle marche. Dis-moi qu'elle fonctionne. Ah, elle est chaude. Dis-moi qu'elle a toujours une tête d'homme. Ellie? Oui. Oui. Non, oh, non, elle est toujours retardée. Mais il faut faire quelque chose, elle est retardée, point. Mais non, je suis pas retardée. Ah si, tout partout. Si. Si, à souffle. Toujours fort, madame. Ellie, tu m'entends? Oui. Ouais, bon, viens avec moi, t'as pas l'air bien. Il va t'amener faire une balade. Oh, c'est compliqué, ça va être compliqué. Je sens que... Tu m'entends? Ellie? Oui, je t'entends. T'as soucié un pote ou quoi? T'as une tête de Basile? Si, t'as la tête de Basile. Non, non, j'ai pas sucé Basile, non. Non, parce que Basile, il est toujours soucié une pote. Non? Et... Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc là, c'est bon, tu m'entends? Ça a l'air d'une galère quand même, non? Mais non. Non, ça va. Là, c'est bon? Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Ça va pas l'air. Ça va mieux, mieux? Ouais, ça va mieux, oui. Mais pas mieux, mieux. Ouais, c'est compliqué, mais ça va aller. D'accord. Bon. Ils sont où les autres? Ma femme? Ta femme? T'as l'air de galérer. Non, 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 ta femme elle est repartie au Mexique. Et avec Inigo et Rose. Mais comment au Mexique? Ça va être compliqué. Hein? Ah, ouais, non, c'est ça va être compliqué. Moi, je vais péter un plomb direct. Bah, ouais, je sais, moi aussi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je sais pas. Mais quelqu'un t'a tapé sur la gueule pendant qu'il était dans le coma? Ah, y a des chances. Ouais, y a des chances. Y a des chances que quoi? Vous êtes vraiment de nous retarder? Ellie, parle-moi! Il est encore perdu. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Non, je suis là. T'es là ou t'es pas là? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Libérer la 4G, libérer la 4G, on l'a perdue. On l'a perdue, elle a pas payé sa 4G. La pauvre, elle est coincée dans le système. Tu vois ce que je veux dire? Elle est complètement coincée, la pauvre. Pauvre tartine. Elle était en mode trop contente, en mode ah c'est génial, les gens vont kiffer. Et on a perdu tartine. On a perdu tartine. Ellie, tu veux qu'on va fonctionner par le téléphone? C'est quoi ton numéro? 6917. Ah, comme avant, d'accord. Et... Yémé. D'accord. J'ai envoyé un message. Et... Tu es un retardé? Non. Ah, mais alors, c'est quoi ton problème? Ça va être compliqué quand même. Et tu m'entends pas, là? Si, et t'entends, moi. Mais j'ai l'impression que toi, tu m'entends décalé des beaucoup. Ah, y a des chances. Oui. Et là, tu es plus en... D'accord.
Bon, il y a peut-être une solution. Il y a une idée. Il y a une IFI. Il y a une grosse IFI. Laisse-moi envisager une chose, bouge pas. Hop. Et toi, le numéro de monsieur Neil? Qui ça? Et Tom Neil, les gars des Vagos. Les Vagos en carton qui a pris la suite. Smoke. Non, j'ai pas. Il y a un nouveau message. Tout a du boulot pour nous. Il y avait pas. Ils sont beaucoup de Vagos et. Et devant. Et pendant ce temps-là, il faut une chose. Bougez pas, j'essaie de trouver une solution. Il va attendre qu'il va nous envoyer un message. C'est chiant pour elle, elle doit être verte. Oui, mais c'est pas un souci. C'est des choses qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire? En soi, c'est pas très grave. Tu lui as piqué une caisse? Non, ils m'en ont donné. C'est. Mais il est patient que c'est quand même des Vagos en mousse. Que depuis Lenny, c'est devenu un peu le bordel. Ils sont en vélo. En vélo. Ouais, chaud au vélo. Si. Je sais pas s'il doit tuer les Vagos pour devenir un Vagos. Ils sont tellement nuls. Qu'ils ont plus que le contrôle des weed. Ils ont que ça? Si, ils ont pas les armes, ils ont pas la cocaïne. Et il dit, t'as du boulot pour nous? Il dit, oui, bien sûr, j'ai toujours du boulot. Mais c'est quoi le boulot? Qui est con, il y a un peu plus, moi. Et parce que là, il t'a dit, il va falloir qu'on fasse quoi? S'il y a Pouline, s'il y a pour tout le monde. Bah, je sais pas. Bon, il te dépose là, et c'est la solution qu'il vient de t'envoyer. Yep. Et après, il te récupère. Ok. Bon, on va attendre là. Elle est en 4G, la pauvre, donc elle va essayer des trucs. L'équipe technique vient de lui envoyer des trucs, après, on peut rien faire. Ellie est partie 6 ans, donc elle n'est pas au courant. Non, il y a plein de trucs, vous allez voir, c'est toute la nouveauté. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous, un serveur qui sera un peu plus... comment dire go devenir un badass, en rose. On balasse, si. Voilà, donc on verra. Peut-être qu'on sera plus les Vagos de ce fait-là, hein, justement, parce que les Vagos sont déjà présents. On verra. Une explication pour les Vagos. Bah, les Vagos existent déjà. En fait, je suis venu sur mon serveur avec des gens qui existent déjà. La chose que j'ai envoyée, c'est un bout de background concernant les Vagos aux médecins et aux Vagos actuels. Voilà, c'est tout. Donc c'est tout en fait. Kim, pas de nouvelles, on verra. Peut-être que vous la verrez en épisode spécial, peut-être qu'elle reviendra, ou je sais pas, voilà. Miguel, capitaine du LSPD ou rien, mais c'est ça, on pourra peut-être faire ça. Voilà l'idée, voilà un petit peu l'idée. Donc là, on va pouvoir redémarrer Miguel de zéro, mais on aura tout à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir, avec Ellie, qu'on va monter notre propre groupe, il va falloir qu'on reparte de zéro. C'est la fiesta, on a plein de pognon, on recommence depuis le début. Si vous avez bien compris, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est 6 ans après, on ne trouve plus personne, c'est la merde. Et il faut qu'on reparte, quoi. Ton idée est géniale, et bah tant mieux. J'ai vu qu'il y avait des débats dans le chat avec des gens qui disaient « Mais c'est une pire idée de merde, pourquoi t'as fait ça ?» Et d'autres qui disaient « Mais c'est du génie !» C'est pas grave. Ceux qui trouvent ça bien, restez. Ceux qui trouvent ça nul, partez. Troite et force pour Tartine. Ouais, Tartine va trouver un truc. Bon, déjà, j'espère que l'histoire vous a plu, la suite vous a plu. Très sympa, en tout cas. Là, on va vraiment rentrer dans du serveur où c'est un peu plus long, en fait. On fait pas autant d'actions, on rigole pas tout le temps. Après, avec Ellie, on va se marrer, on va monter notre propre petit groupe. On va faire ça. Tu as zéro en banque. Non, j'ai pas zéro en banque.
J'ai 25 000. Putain la richesse, je suis foutu. Voilà. Et la saison 3, ça sera sur RPZ2. Non, pas forcément, en fait. Sur RPZ2, j'ai déjà dit, dans ce cas-là, si jamais j'étais invité sur RPZ2, je fabriquerai un tout nouveau personnage. Voilà. Allez, je suis fan, profitez. Bah tant mieux, voilà. Où est la thune? Bah la thune est partie. Je pense dans les frais médicaux, si on réfléchit bien, tu vois ce que je veux dire. Putain, le chat va vite, hein. J'essaie de répondre à vos questions pendant que. Parce que vous aviez pas mal de questions là-dessus. J'essaie de répondre à vos questions pendant que Tartine fait l'aller-retour. Voilà. Et c'est venu un petit peu comme ça, on a discuté avec Tartine. Moi j'avais décidé de garder Miguel. Et Tartine m'a dit: ah putain, ça me fait chier de. J'ai envie de garder Ailey. Est-ce que je peux venir avec toi? Je dis: mais vas-y, go, ramène-toi, on va se marier en fait. Voilà. Voilà. Voilà l'idée un petit peu. Donc c'est vrai que c'est assez cool. Donc moi je suis très content de pouvoir vous faire vivre ces aventures. Et puis qu'on avance petit à petit. Voilà, ça va être cool. J'essaie de lire le chat un petit peu, mais il va un peu vite. Il n'y a plus Yoni. Non, il n'y a plus Yoni. Tous ceux des RPZ ne sont pas forcément là. Et puis est-ce qu'il y avait forcément intérêt de ramener tout le monde? Parce que c'est mon serveur à moi qui est un serveur qui reste lui à l'année en fait, avec des vrais gens. Vous allez découvrir plein de gens. Alors moi il y a plein de joueurs que je connais déjà parce que je joue un autre personnage avant. Voilà, notamment on a vu tout à l'heure Madame... Madame le gouverneur, donc moi j'ai aucune idée, hein. Miguel ne sait pas que c'est Madame le gouverneur. Oh putain, j'aime taper les keufs. Oh, j'aime taper les keufs. Oh, on est sérieux. Oh putain. Ouais, ça. Vas-y. C'est bon! On a évité les keufs, ça allait mal se passer. Je dis ça parce que vous allez voir que là, les keufs, c'est les keufs. Hein. Voilà. Ton serveur est modé. Oui, en partie. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de Miguel. Miguel qui attend sur le bas-côté devant une supérette. Tu sais, le truc qui est pas du tout louche. Est-ce que Kim viendra? J'en ai aucune idée. Mordor, ils ont flippé. Ah, vous allez voir. Ça va être cool. Tu comptes rejouer ton ancien perso, Alex? Tu avais quel style avant? Daniel Duncan? Non, je ne le rejouerai pas parce qu'il est décédé. Il est décédé le soir. Je l'ai fait crever le soir du RPZ. Ouais, ils ont reçu un papier comme quoi ça. Sous la pluie. Tu as fini ton ancien perso? Oui. Voilà. Les pots de vin, ils connaissent. Alors, vous avez pu voir que. On est sur un serveur où proposer des pots de vin passe pas. Donc moi j'ai décidé que Miguel resterait à peu près le même. Mais voilà, les pots de vin, vous avez vu qu'ils sont là en mode. Mais non, j'ai surtout dit au procureur principal, c'était le procureur principal, j'ai fait oui bonjour, ça prend des pots de vin ou pas? Voilà. Voilà. Pour moi, le RP, c'est gérer les imprévus, donc c'est une très belle occasion de RP. Bien sûr, bien sûr. J'en profite aussi pour vous faire un petit point avec vous, c'est important. Comme ça, le temps qu'on fasse un... Les petites questions, toujours agent du FBI du coup, mais j'ai jamais été agent du FBI, je vous ai tous niqué quoi, c'est surtout ça. Kim boit des pina coladas au Mexique avec Indigo Hero, c'est ça Draco, c'est exactement ce que j'ai dit, j'ai pas laissé de porte fermée. Je sais que ma maman m'avait dit que c'est certain, le personnage il voudrait pas le rejouer, donc dans le background je le fais mourir, mais voilà. Ça va être chaud pour Tartine avec Feili, vous êtes déjà entendu sur la répartition de la garde? Pas du tout. Is ok, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Tartine est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, en fait, de jouer où elle veut. Et de, voilà, donc si elle a envie de passer du temps sur Feli ou ici, ou pff, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais avancer. Voilà. Ton serveur accepte les débutants, bien sûr. Premier RP, oui. Après, mon serveur est un petit peu blindé. Vous imaginez bien, comme tout serveur, surtout quand il y a X milliers de personnes qui regardent le live à 22h30. Voilà, c'est un petit peu, voilà. Où sont les diamants? Ah, vous êtes toujours sur l'histoire des diamants, je vous le dirai jamais. Ça restera un secret d'où ils sont passés. Voilà. Free access, ton serveur? Oui. Vous avez tout le lien sous le lecteur, hein. C'est écrit en gros, en plus. Vous aurez tout indiqué dessus. Les pots de vin sont interdits? Pas du tout, les pots de vin ne sont pas interdits. Par contre, vous allez voir que moi, mon serveur est un serveur où les civils sont des vrais civils ouf. Ils aiment leur vie civile. Donc, ils sont pas forcément prêts à faire des larcins toutes les deux secondes ou choses comme ça. Donc, on va avoir du boulot en termes de crimi, hein. On va avoir du boulot. Donc ça va être chouette. Voilà. Le serveur tourne depuis combien de temps? Le serveur tourne depuis un an. Un peu moins d'un an. On fêtera les un an bientôt. Donc il n'a pas un an encore. Ça vient d'une blague. On a fait une blague l'année dernière. C'était un serveur à la base où on n'avait que les forces de l'ordre. On jouait entre nous forces de l'ordre. Et puis un jour on a craqué, on a pété un plomb, on est parti un peu en couille. Voilà. Combien de gangs sur le serveur? Les gangs sont naissants. Il y a 1, 2, 3, 4 gangs actuellement. Et en fait tous ceux qui jouent le jeu peuvent prendre, il y a encore des places à prendre sans aucun problème partout, hein, la police et les civils, il y a 12 entreprises différentes, donc vous allez les découvrir, hein, mais il y a notamment les taxis, le vignoble, le Black Cat qui est le restaurant, Ron Petroleum qui livre les stations essence. Je vous présenterai ça tranquillement, vous allez le voir apprendre petit à petit, hein. Voilà, il y a le Beniz pour les voitures, il y a Groupe 6 pour les transports de fonds, donc on pourra faire de l'attaque de fourgons de transport de fonds, hein. On pourra faire de l'attaque de transport de fonds. Il y a le BCSO, il y a la Syrie, il y a la ferme. Voilà, il y a plein de choses sur la map. Voilà. Deviens chef d'un gang. Tu imagines bien que Miguel va pas aller cueillir des pommes. Tu vois ce que je veux dire? Bon là, on a un petit souci avec Tartine, qui galère un petit peu, mais voilà. Voilà.
Mais ils sont complètement cons, je te dis. Je te dis, dès qu'ils me voient, les pinges, ils sont débiles avec moi. Ils me regardent, ils font ah, c'est Miguel. Tu vois ce que je veux dire? Chef de la police, mais jamais, mais jamais, mais jamais. Cueilleur de pommes, ça vous rappellera Arma 3, tu vois ce que je veux dire? C'est possible de voir des caméos des gens de RPZ, genre Fab, etc. Il n'y a rien qui est fermé, peut-être qu'à un moment donné, possible. Si les personnes en question sont motivées et que dans l'or ils n'ont pas crevé, bien sûr. Mais là, l'histoire, tu vois ce que je veux dire? Si jamais à un moment donné on nous dit, je pense qu'il me dit, ah oh, putain, j'aimerais bien jouer fou deux jours pour le côté event, pourquoi pas? Je suis fermé à rien et je pense que mes collègues admin du serveur sont fermés à rien. Après, à partir de là, il faut que ça soit cohérent. Voilà ce que je veux dire. Il y a combien de personnes sur le serve actuellement? C'est 80 joueurs non-stop et on pense monter à 100, 110, 120 dès que possible. Voilà. Voilà. Il y a bug tellement autour de toi. Je te dis, c'est ça, mais je pense que c'est. Alors, je vous rappelle que cette supérette, vous rappelez quand on l'a faite, cette supérette, elle bug, c'est l'endroit. Hein, l'endroit qui est pourri, je me suis mis au pire endroit du monde. Ça, c'était un Vagos. Ah, vous allez voir, les Vagos sont chauds un petit peu. Touche chez les Vagos. Je sais pas si j'irai chez les Vagos parce que les Vagos, il y a déjà du monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on verra, on va se laisser porter avec Ellie dès qu'elle va pouvoir revenir. Dès qu'elle va pouvoir revenir, on va se laisser porter avec Ellie. Et puis, c'est cool, on va tout recommencer à zéro. Ça va être sympa parce que là, on est personne. On arrive de. Les Vagos, c'était un peu. Tu sais, la police municipale, un peu. Hein. Les Vagos, c'était. Voilà. Là, on n'a plus personne. T'as son hume. Ah putain, j'ai pas son hume à Ellie. Si je l'ai pris ou pas. Le doute m'habite, putain. Non. Si, Ellie, je l'ai. Impeccable. Je vais me foutre sur l'herbe là. Ah, si tu l'as pris. Si, le chat s'énerve. Voilà, sinon pour vous parler des fonctionnalités du serveur, il est codé par, on a une équipe de 6-7 devs, voilà, qui code, une équipe créa, une équipe de modo et de staff, voilà, et tout est fait maison à 98% je dirais, voilà, c'est le même, les devs ont été sympas, ils nous ont mis les mêmes numéros que sur RPZ, voilà, le téléphone maison, c'est sympa, vous allez découvrir plein de choses, la ceinture, vous voyez un icône ceinture, enfin bref, il y a plein de trucs, la map change un peu, non, tout change un petit peu, on a un système de zip. Vous verrez, tous les codes, c'est des codes postaux. Et on peut les y activer très très vite sur la map. Voilà, on a plein de petits systèmes sympas. Bénévoles, les devs. Ah oui, totalement. C'est un serveur de passionnés. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une bande de potes qui dev, qui délire ensemble, qui a des idées, qui échangent. Voilà ce que je veux dire. Il y a quoi comme type de travail? Ah, il y en a un paquet. T'as 12 sociétés différentes, plus le LSPD, le LSMS, le BCSO, donc les shérifs, les park rangers qui s'occupent de la chasse et de la pêche. Plus les métiers Pôle emploi, les criminels, comment te dire qu'il y a du monde, le tout, tous ensemble. Air control ou pas? Il n'y a pas d'air control. Si j'expose ma voiture dans un mur, elle s'arrête. Hein. Je vous le dis tout de suite, elle s'arrêtera 5 ou 6 secondes. Putain, j'ai pas d'essence sur moi. J'ai pas de cash sur moi, je crois. 30, 40, 50, 60, 48. Je vais mettre des sous, vous n'avez pas d'argent, putain. Alors attends, faut que je trouve un dab. Il y a un dab dedans, je crois. Le serveur est free access. Oui, en waitlist. Il y a une waitlist à passer. Hop. Combien souhaitez-vous retirer? Je vais retirer quoi? 500, ça doit suffire. Je sais pas, 1000. Je vais retirer 1000 parce que je suis pas très riche. Hein. On a tout à refaire. Hein. On n'est pas prêt de s'acheter une maison parce que là, on est sur un serveur serious. Donc, comment te dire que. Voilà. Putain, on est sérieux. Miguel sans argent. Ah, mais faut tout refaire. Là, je suis à poil. C'est ça qui va être génial, on a tout à refaire du début, donc là on recommence en étant personne, on a la personnalité et le personnage de Miguel que j'affectionne tout particulièrement, et il faut tout recommencer. Voilà, 20, 30, 40, 50, je vais mettre 30 litres. Voilà. Le pit est autorisé, oui la police peut pit gentiment, après voilà. Trop bien en vrai. Moi je suis content parce qu'en partir de là en fait on va jouer ce personnage que j'aime beaucoup, mais c'est plus personne. Tout à l'heure il l'a bien compris chez les Vagos, on lui a fait comprendre que gentiment, allez mon gars faut y aller quoi. T'es mignon, si tu veux bosser, tu m'appelles, mais sinon, voilà. Et là, j'ai aucun intérêt. Les mecs sont 6, sont 7, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment ils sont armés, je sais pas tout ça. C'est un peu la merde, tu vois. Les stats de coma sur RPZ, Antoine devant 45. Ouais, j'ai entendu le live tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'on recommence, il va falloir qu'on fasse du business et on va partir full sale, je pense. On va pas aller ramasser les pêches, quoi. Le domaine est à Miguel, qui l'a racheté à Donna. Mais pas du tout, mon gars. On l'a vu tout à l'heure que le domaine, il appartient à quelqu'un d'autre. Et que. Si, écoute. Je peux te proposer du boulot. Par contre, du coup, c'est que de la vente de weed. Si, il n'y a pas là, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même pas des groupes Vagos. Il y a une voiture Lyon, c'est tout. Ah, bah oui. Si. Tu veux combien? Je ne peux pas stocker grand chose. Hein, si. Attends, il y a la police. Mais toujours pour moi. Qu'est-ce qu'ils font? La police, c'est un convoi de fonds. Ça t'intéresse pas de braquer un convoi de fonds? Si, ça peut être intéressant. Il y a un convoi de fonds devant moi.
Mais là, ils sont surveillés parce qu'il y a des types en ville qui ont fait n'importe quoi avec les convoyeurs cet après-midi. Donc il y a deux caisses de flics avec chaque convoyeur. Si, il y a une voiture de police et un mec avec une fusil à pompe. Il est tout seul, le gars, avec le fusil à pompe? Si, il y a là, voilà, peut-être un chauffeur. Si, un chauffeur qui sort. Et... en général, ils sont deux ou trois. Si, c'est ça. Donc il y a deux des polices et deux des... Il me met sur le côté. On va voir ce que ça donne. Il y a un chauffeur. Un homme avec une fusil à pompe et une voiture de police, ça arrive à mon niveau. Si, mamacita, il trouve que c'est vachement bien, on mangera les goûters dimanche. Si, mais si, mais si, mais si. Mais... si, mamacita. Monsieur, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Et... attends, c'est à moi que vous parlez? Oui. Oui, oui. Et pourquoi vous voulez que je descende du véhicule? Descendez du véhicule, s'il vous plaît. Bah, il m'arrête juste pour te passer un coup de fil. Bah, mettez-vous un peu plus loin alors dans ces cas-là. Pour le passer un coup de fil? Bah, mettez-vous un peu plus loin, il y a des places un peu plus loin. D'accord, mais s'il est conduit en même temps qu'il est sur le téléphone, allez-y, vous allez me faire chier. Allez-y, on vous suit. Si, et. Oui, et c'est pas comment te dire, il y a plein de chiffres partout. Ouais, bah, donne le chiffre où t'es. 93-24. 93-24, j'arrive. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Et au revoir. Oui, ça va. Une voiture de l'Espidi. Une jolie voiture, une grosse voiture. Mais Perrault, c'est toujours pour moi. Hein. Ça ne change pas. Une voiture de police, bim, c'est pour moi. Et de ce fait-là, ils ont mouillé. Donc, oui, tu disais de la weed. Ouais, de la weed. D'accord. Il attaque un fourgon brutal. Il me faut des armes. Et. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et c'est pas combien tu peux donner? Comment ça fonctionne? Bah, moi, je te donne de la weed. Si. Tu la vends. Si. Putain, j'ai un truc dans la gorge. Pardon. Une chatte. Ouais, une chatte. Une chatte dans la gorge. Je te donne de la 8, tu la vends, tu me ramènes l'argent sale et moi je le blanchis. Et d'accord, c'est possible. Et je te repaye. Je viens chercher. Ok, y arrive. Ouais, ça marche. Je vais chercher des weed chez Vago Samus. Allez, dis-moi. Et par où? Si. Et donc ouais, il vend les produits et l'express il te ramène l'argent. Ouais, c'est ça, et moi je te redonne l'argent propre. Et d'accord. Et combien il peut en prendre sur moi? Là moi j'en ai 100 sur moi, 120 sur moi. Si, 120 et... Mais si tu veux moi j'attends là parce que si tu te fais choper avec 120 ils vont te mettre tarif les flics. Mais donne, il va faire les allers-retours. T'as un endroit pour stocker? Ah non, non, il est pour un appart. Il veut un appart dans le quartier, mais il croit qu'ils sont rendus au bail. Ouais, bah ouais. Il commence avec ça. Ok. C'est
C'est pas que je veux pas t'en donner plus, hein, j'en ai plus. Non, hein, y'a pas de soucis. Y'a de l'appel. Ouais, ça marche. Oh là, la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Miguel en train de vendre de la weed dans la rue. On est d'accord que c'est le... On est redescendu tellement bas. Tellement bas. À l'enfer. Putain, il dit le chat. Ça, c'est le merde. Miguel qui charbonne, on aura tout vu. Mais mec, y a plus rien là. Je vais vendre au PNJ ou aux joueurs. Je vais vendre au PNJ là. Ça va être l'enfer. Le roi devenu paysan, mais c'est tellement ça. Et c'est tout ce que j'aime dans l'idée du truc. Parce que... Tu vois, on avait un peu tout ce qu'on voulait sur RPZ. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer, il va y avoir des guerres de gangs. Déjà, est-ce qu'à un moment donné, on va choisir avec Ellie? On va en parler, mais... Voilà, faut bien bosser, parce que sinon c'est la merde, mais... rien du tout, tu vois. Ce serait très drôle, on pourrait s'appeler... on peut reprendre peut-être les... On peut s'appuyer en vert et s'appeler les Families Ghosts. Tu vois, c'est possible, non? Ou que Miguel prenne le contrôle des Vagos. Peut-être, on verra. Je sais pas encore. J'ai rien décidé. Je me laisse maintenant... La seule chose, c'est que j'ai travaillé un... Tu vois ce que je veux dire? Le background pour arriver sur le serveur, qui est mon serveur. Et maintenant, à partir de là... À partir de là, on a 1000 choix possibles et vous allez voir qu'en RP, on peut tout faire, quoi. Là, je suis pas du tout en train de vendre de la weed dans le centre ville, tout va bien. Si je me fais pécho par les flics, je vais prendre tarif. Il y a personne là où tu veux vendre. Oh, t'inquiète frérot, on va y trouver un lieu sympa, on va aller à la plage ou un truc comme ça. Dans des lieux où il y a des gens qui veulent bien acheter. Oh l'enfer. C'est quoi les autres gangs? J'en ai aucune idée dans le sens où c'est mon serveur, mais tout a beaucoup évolué en 15 jours. Vous savez que sur un serveur RP, il y a plein de choses qui évoluent. Miguel le prolo, mais tellement. En plus, je me tape 0 PNJ là. Je sais pas où ils sont passés, bordel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, faut savoir que je suis full pas de chat aussi. Hein. Ça, c'est un truc de dingue. Il y a un poteau au milieu de la route. Non, mais laisse tomber. Putain, on n'est pas prêt, on va pas payer l'essence avec les pochons. Hein. Putain, on va commencer petite main, c'est la merde. Hein. C'est vraiment la chiasse à Dallas. Hein. Tartine et Delouage, je sais que redèle tout. Je sais pas. Ben, c'est la chiasse. Continue de chercher. Ouais, je cherche, t'inquiète pas. C'est jeudi aussi. Ah putain, mais on est jeudi! Mais ouais aussi! Oh là là. La caisse est même pas à nous. Si on se fait contrôler par les keufs pour un simple contrôle de permis, on est déjà mal, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi un jeudi? Moi, tous les jeudis, il m'arrive que des emmerdes, tu vois ce que je veux dire? Le jeudi, c'est chiasse sur chiasse. Attends, je vais aller braquer une supérette, ça va plus vite. Hein. Tu vois ton permis? Oh! J'ai pas de permis non plus, ça va pour quoi? J'ai pas de permis. Je suis revenu. Ah, je vais l'appeler, voir si ça va mieux. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors oui, on a l'historique des appels, notamment. Oui. Si, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oh putain, alléluia, ma soeur, comment ça va? Il y a un peu blou, il est sur le burn-out. Il y a un mec qui m'a filé des pochons de cannabis. Ouais. Si, il vient te chercher, t'es où? Là où tu m'as déposé. Oh putain, c'est l'autre côté de la ville. Attends, il avait tout à raconter, mais c'est une merde. Il me soulevait d'un coma. Comment ça? Oui, ok. Il était dans le coma. Et después, ils m'ont dit que ma femme, elle est partie au Mexique. Oui. Et que Lenny, il est mort. Oui. Ah ouais, d'accord. Et toi, t'étais où? Moi, j'étais un peu en vadrouille, un peu partout. Et il n'y avait pas d'Ounosien? Il n'y avait pas fou? Non, tout le monde est parti. Mais la police, elle a l'air toujours aussi con. C'est pire. Et même pire. Et les Vagos, c'est des Vagos en mousse.
C'est des vagos en mousse. C'est les macos en carte aux pâtes. Il vous dit qu'il y avait le tuer au chef des vagos, si il rigole, il est un peu plou. Mais non. Mais si, il sait pas qui c'est qui a pris la suite de Lenny, mais c'est une personne qui est nulle. Qu'est-ce qu'il faut mieux de la route? Oh! Ça va? Il touche quelqu'un. Mais non. Si, il m'en veut parce que... Oh putain, c'est une merde. C'est bon, il y a personne. Il est une personne. Encore. Il sort du coma, il est une personne. À chaque fois, ça m'arrive, Ellie. Oui, ça va aller. Si. Donc là, il y a le vago sans mousse, il m'a donné de la weed. Ok. Il m'a dit, t'as qu'à vendre ça. Ok. Il est d'accord. Et comme il a pas de respect, il prit sa voiture. T'as repris une voiture à lui? Oui, mais c'est pas grave, il est d'accord. Enfin, il pense qu'il est d'accord. Donc il m'a dit, tu vends le weed, tu m'amènes les pognons, il les blanchit, il te les donne. Ok. Voilà. Bah, c'est bien, c'est bon plan. Donc ça, c'est bon plan, ça veut dire déjà qu'il faut chercher un blanchisseur. Parce que si c'est lui, il blanchit, il doit prendre une part. Si c'est nous, on blanchit, c'est pas part. On va les niquer. Et il hésite encore s'il est tout rapidement ou si on envisage autrement. Il y a aussi des fourgons blindés. Je sais pas si c'est toujours Marius le patron, mais il faut y demander. Si c'est pas Marius, il va faire des attaques des fourgons. Parce que allez. Là, il y a eu des frais médicaux, il pour 25 000 $. 20 quoi? Si, il y avait 6 millions, il restait 6 ans dans le coma, il y a 25 000 $, il y a plus d'appartement. Mais ça fait beaucoup de frais d'hôpital, ça, 6 millions? Et c'est pas la moche, je voulais être dans le coma. Ou alors, c'est quelqu'un, c'est qui m'a dilapidé les pognons? Il n'y a pas de nouvelles. Attends, il était perdu, il ne sait pas où t'es. Tu connais mon sens de l'orientation? Il suit près d'un poteau, il y a encore embarqué. Poteau, oh là là, j'adore les poteaux. Poteau, il a fait un poteau. Si, ah, il y a quoi? Par là, non? Si. Tu vas laisser à côté d'une supérette. Si, il fait toutes les supérettes. Il y a quoi? C'est un contre-sens, non? Ah si, c'est un contre-sens, ça. Oh, la complexité. T'es sûr que t'as ton permis? Non, il est perdu avant-hier. Ah. Ah non, il y a 6 ans. Si, putain. Bah, voilà, ouais, du coup, ouais. Si, il n'y a plus de permis pour avant-hier. Mais depuis 6 ans, c'est bon. Si, bah, enfin, oui, enfin, nous me comprenons. 6 ans, et comment, c'est compliqué. Ouais. Et d'accord. Je crois qu'il a trouvé la soupérette. T'es où? Ici. Oh là là. Oh putain. T'as l'habitude de moi. Tu sais que tu vas te faire percuter. Il faut percuter. Okay. C'est bon. Il y a un poteau qui est tombé. C'est bon. Par contre, t'as toujours le visage de... Ah non. Ah si. Non. Ah si. Non, c'est bon. Si, non. T'as le visage de Basile. Il sait pas. C'est... Ah. On m'a dit que là, actuellement, c'est une maladie qui va partir bientôt. C'est okay. une basilette. Il n'y a rien compris. Il est compris. C'est un tour. Et c'est pas ma voiture, il fait les pleins de cette voiture depuis tout à l'heure. Donc pour l'instant, ça nous coûte plus cher. Ah putain, de poteaux encore. Oh là là, des poteaux. Oh. Il y a des trop de poteaux dans cette ville de toute façon. Donc, si. Attends, il fait les pleins d'une voiture volée, c'est tout à fait normal. Si. Hop là. Et 12, 20. Oh, faut faire des mathématiques. 12, 22, 32, 42. Il met 40 litres. C'est bon. Fou. Du coup, on va vendre de la weed. Oui, pardon. Si on va vendre de la weed, c'est un métier pourri. J'ai donné ça aux débiles, moi, avant. Bah oui. Par contre, je suis content, j'ai cru à un moment donné que t'étais un débile. Non, je suis pas une débile. Et en fait, c'est un problème des cash. Oui. Tu joues à cache-cache avec moi, c'est pour ça. trop de actions de ces derniers temps, trop de cache-cache. Si, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Et d'accord. Ok. Et je sais pas. Ah si, j'ai trouvé une personne qui va acheter de la weed. Et quelqu'un qui m'a fait signe, elle avait pas vous. Il va tout de suite. Faut y essayer de pas les casser parce que tout le monde connaît, Ellie. C'est une merde. Il faut qu'il achète aussi à manger. Oh là là. Attends, il y a une personne qui veut de la weed. Il pense qu'il faut qu'il y en ait une de nous deux qui conduit et l'autre qui... Comment la personne est partie? Ellie. Tu veux que je conduise? Je sais pas, apéro, j'ai une burn-out. En plus, les flics, ils donnent le débile. Il y a deux solutions. Ou on reprend les contrôles des vagos.
Ouais. Ou on crée un nouveau groupe. Alors, il y a plusieurs idées. D'accord ? Si tu veux, faut qu'on se renseigne. On peut prendre les quartiers Balas et on s'appelle les Valas. Avec une V comme équilibre. Non ? Oui. D'accord. Et l'autre solution, c'est... Attends, il faut y vendre. Ah, c'est bon, vas-y, continue de chercher. Il faut y aller les gens, je pense. Ou alors, on peut aussi se déguiser en Familis et s'appeler les Familis avec une V comme équilibre. Non. Non, il y a mis de la vie, c'est une vague. Pas le verre. Non, non, ouais, non, non, d'accord, c'est pas possible. Je sais pas. Il faut qu'on réfléchisse parce qu'il y a d'avoue que là, il voulait vagos en mousse, c'est compliqué. Je sais pas si un jour on peut faire deux des hommes. Je pense que. Quoi? Deux des hommes. Je pense que toi, t'as plus des couilles qu'eux. C'est quoi ta couleur préférée? Le rouge. Ah, donc faut qu'on soit les rouges. C'est bien les rouges. On s'appellera les. Les regos. Non, c'est pas bon les regos. Le bleu. Le bleu. Les blue gosses. Les blue gosses. Oh, c'est tellement bien. Oh, une camionnette. Oh, les blue gosses. Tu penses que ça s'attaque? Mais on n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. Ah, il y a envie d'attaquer tout ce qui bouge. Non, non, roule, roule. Dès qu'il y a une. Mais c'est la merde. Faut qu'on trouve un endroit où on peut vendre des drogues. Un endroit où il y a plein de monde. La plage? Si, ouais, la plage. Si, mais c'est pas mal là, c'est de l'autre côté, non? C'est à gauche. À gauche? T'habites à Saint-Tour? Oui, Saint-Tour. D'accord. Et sinon, on prend les rouges et on s'appelle les Red Hot Chili Pepper. Non? C'est pas un groupe de musique, ça. Hein? Ah bon, c'est un groupe de musique? C'est comme ça, moi, je voulais qu'on soit très très chaud. Ah merde, je me suis fait flasher. Ah, elle est pas à moi la voiture. Il voulait te dire qu'elle est pas à moi. Ah, oups. Oh, je sens qu'on va déjà finir l'épisode. Alors, il t'explique qu'il y a plus Cook. Il y a plus Boy. Ils ont encore plus con que ceux d'avant. Mais du coup, à qui on graisse la patte? Alors, il essayait aussi avec les médecins. Il dit à qui il donne l'enveloppe. Et le mec, il m'a dit, il est sous le directeur. Il a mis de la vie, ça n'arrivera. C'est dans la merde. Il dit, il donne 100 000. Il m'a dit, monsieur, ici 100 000, c'est rien. Il dit, comment aussi, c'est beaucoup de yadans. Il m'a dit, non, non, non. Non, non, non. Il dit, on est quand même nous le merde. Ah oui, là, on est sacrément dans la merde, oui. Si. Et. Il sait pas. Ils sont un peu perdus. Il y a pour. Lenny, il est mort. Kim, ouais. Elle est au Mexique. Il reste que toi, Ellie. Ouais, il y a que moi. Désolé pour toi. Non, ils sont pas désolés, tout comme ma soeur, donc ça va. Mais je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que. Parce que là, t'as des sous, toi? T'as 1 million ou deux? Non, non, j'ai 2000 dollars. 2000 dollars? Ah! Oui. Il y a 24 445 dollars et. Attends, il voit la monnaie. Et. 930 dollars des poches. C'est pas mal, déjà. Ouais, faut travailler, quoi. Si, moi, quand il y a eu un accident, avant, il y avait 6 millions. Ouais. Mais c'est plus le cas. On est pauvres maintenant. On est foutus. Fini les voitures de luxe. Si. Que les voitures volées ou les R5. On va acheter une R5. Une R5? Si, une R5. Ou une Renault 5. On va la tuner, on appelle ça une R5 tuning. Une sport motorux. Ah! Fais demi-tour, j'ai un Aster! Il était dit où? Il est caché là. Il va vite vendre de la drogue afin de faire, je sais pas combien, peut-être 30 balles. C'est la merde. Ah, ça va être chaud, ça. Ça va être très, très chaud. C'est un client. Il n'est pas vendu depuis 15 ans. Avant, il est vendé, mais c'est au tout début des vagos. Bonjour, monsieur. Vous êtes... Ah, oh, ah, merde. Oula. Bonjour, monsieur. Vous avez demandé de la drogue? Si, il vous donne des... Oh, oh, putain, elle est pleine de bognon. Il m'a donné 250 boules. Ah ouais, quand même. Si. Alors après, je ne sais pas comment il prend, l'autre débile. C'est pas mal, ça, 250 boules. Tout va bien. C'est un tour. J'ai l'impression de me retrouver quand j'étais une petite main, quoi. Si, moi aussi. Et... Oh, un acheteur, derrière! Monsieur la folie, là! C'est la fête, vite! Demi-tour! Et après, promis, Ellie, on fait mout-mout. Ok, on fait mout-mout, oui. Mout-mout pour toi, mout-mout pour l'autre débile en carton, parce qu'il veut des sous aussi. Et encore, encore, encore. C'est la dame qui fait caca. Et pourquoi elle fait caca dans la rue? Madame! Tenez, ils vous vendent de la weed! Pourquoi vous faites caca dans la rue? Faut pas faire ça! Elle me donne plein de pognon, c'est bien ça, c'est nickel, nickel. Mais la ceinture à chaque fois. Il faut pas oublier la ceinture. Et... Attends, regarde, portefeuille, non, c'est pas là. Il fait 700 balles pour l'instant, c'est bien. On est sur la bonne voie, tu crois? Et...
Pour aller où? Bah, je sais pas. Bah, on a dit quoi? Oh, Ellie, il avait fait une bonne note d'emblée. On a dit qu'on allait où? Sur la plage. Si, sur la plage. Et on est loin d'avoir un gang complet, armé jusqu'aux dents, qui est capable de courir partout, qu'on les appelle que c'est Batman, pour pouvoir sauver mon bouillac. Ah oui, là, on n'est plus la cave, c'est clair. Si, là, on n'est pas... on est, si, on est dans la cave, mais c'est pas la cave des Batman, c'est la cave où ça se passe mal. C'est celle où t'as 7 bonhommes qui t'attrapent par le calbac et qui te font du mal. Y a personne. Il y a plein de trucs qui ont changé, hein, par contre. Il y a des nouveaux immeubles. Ouais. Il y a plein de maisons. Il y a aussi... j'ai vu un nouveau restaurant aussi. Ah, il y a trouvé un restaurant pour acheter à manger? Ouais. Ah, il faut parce qu'il n'y a plus à manger, quoi. Ah oui, il faut y acheter à manger. Oh, oh la merde. Il est... Ah si, il m'a donné un black burger. Il y a quelqu'un qui m'a donné un burger. Et un orange black. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Que... Il vient de faire 600 balles. Il est content. On a passé une demi-heure. Il fait 600 balles. Il a envie de pleurer. Et qui me manque aussi. Et Nico aussi, il me manque. T'as essayé de l'appeler, Hakim? Mais il est pour le numéro. Il y a un téléphone, apparemment le médecin m'a dit c'est un téléphone dernier cri. Oui, oui, dernier cri, il crie le mien. Il est pour tout, il est pour rien. Là, j'ai plus son numéro non plus. Il est pour aucun numéro. Il est même pour, mon hermano, amigo. Mais quel bordel, il n'y a pas moyen de vendre de la drogue dans cette ville. On va aller sur la plage. Ah là, d'aller. Je vous ai attendu, mais ici. À tous les coups, on va trouver une personne qui fait caca. Oh, ça existe plus le paradise. Ah ouais. Oh la merde. Ici, c'est une personne en terrasse. Si, là-bas, y'a voir. Bonjour madame. Oh pardon, il vous est un peu agressé. C'est pas grave, faites une bonne sieste. Profitez bien des weed. C'est bon. Saint-Tour. Il est mis à Saint-Tour. Ils sont hyper concentrés parce que là on n'est pas prêt de bouffer. Il sent que nos aventures vont durer un peu longtemps. Ouais, 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 ouais. On n'est pas prêt d'avoir une cartel. Non. Et par contre, il pense que. On peut faire une chose. Il y a une Yiffy. Si on a 7 Mini Cooper, un tigre. Et un avion, on peut faire un braquage à l'italienne plus plus. Braquage à l'italienne plus plus? Si, mais il faut un avion pour faire le plus et un tigre pour faire le plus plus. Ouais, du coup, il nous faut du fric pour faire le braquage. Si. Et parce que là, on n'a pas d'armes, on n'a même pas de voiture, on n'a pas de cagoule. Et. Oui, 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 c'est compliqué. Il va falloir qu'on mette des sous de côté. Ouais. Mais par contre, les plus, c'est un peu galère. La pluie? Si. Tu veux pas la drogue? Il n'y a plus mes techniques de vente, il y a tante. Beu pas cher? Ouais, y a personne. Vous découvrez aussi que sur un serveur Serious RP, tout le monde vaque à ses occupations. Il y a beau avoir 80, 90, 100 joueurs sur le serveur. Et monsieur, tu veux de la beuh? Pas tout le monde tout le temps en fait. Vous vous rendez compte qu'on croisait tout le monde facilement. Maintenant, vous allez croiser les gens par groupe en fait. Il veut pas des beuh? Non. Fais-lui me. Monsieur me. Ah, là, il y a quelqu'un. Attends, là, on gauche, là. Tu vois les bâtiments bleus. Ok. Putain, on pouvait pas descendre plus bas. Hein. Je crois que ça existe pas. Si. Là et... Ici, à gauche. Le monsieur avec un t-shirt jaune. Attends, il y avait. Tiens, ça c'est parce que tu m'as fait chier. Bonjour. Tu veux la drogue? Oh merde! Aïe! Mais ça va pas! Il te défonce! Oh merde, pardon, il est vêtu. Oh merde, il est mis KO! Non, c'est pas grave! Il est désolé, vas-y, file! Va consommer ta drogue! C'est compliqué les clients, c'est pour ce que c'était. Moi, il est pour le marketing comme ça. Ça fait longtemps que t'as pas fait ça. Ah bah non, moi, il est les armes, si, les Uzi.
Mais pas les... Moi, ils sont plus spécialisés armes que drogue. D'habitude, la drogue, ils chargent, ils donnent aux petites mains. C'est pas... Là, c'est plus compliqué. Il me dit juste que si la voiture, si la police nous prend en chasse avec cette voiture, on est mort. Ah, c'est la merde. Ah ouais, c'est clairement la merde, non. Ah, derrière nous, un client. Il faudrait qu'on achète une moto. Oui, j'avoue, une moto. Il y a un hélicoptère. Oh non, pas pour nous, quand même. Déjà oh. Quoi? Attends, il y a un hélicoptère au-dessous. On va voir si c'est pour nous. Il y avait vendu vite fait, style, c'est pas moi. Il fait style, c'est des copains. Ah, mes amis. Bonjour, comment vous allez? Ça va, super? Tout le monde, tu veux la drogue? Tiens, prends une drogue. Prends une drogue, c'est bien, c'est bien. File, 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 file. À bientôt, bonne journée, au revoir. C'est super. C'est bon, il était discret. Discrétion, comme il est toujours fait. Toujours, hein. Si. De toute façon, on était le plus discret chez les Vagos. On était les personnes les plus discrètes qu'ils connaissent. Sobriété et discrétion. Je suis un client. Oh, mais c'est la folie, la plage, là. Où ça? Dès qu'on trouve une personne qui a des... Dès qu'on trouve un endroit avec des gens, il y a plein de... Oui, oui, oui. Oh, t'as pris une bite? J'ai pas tapé la bite. Et Abby, elle est où? Elle est partie. Oh non! Elle t'a quitté? On n'était pas vraiment ensemble, c'était... Oh, c'est le même! C'est tout un plan cul! Ouais, on va dire ça. Un plan sauvage. C'est le même! Il veut beaucoup les drogues. Et c'est bon, il entend un hélico. On entend un hélico aussi. Si, ça sent pas bon pour nos affaires. On va peut-être changer d'endroit, non? Ouais, ouais, ouais. Où on en est? 1 700 $, impeccable. Waouh, si, si, c'est la folie. D'habitude, il faisait 1 000 000. Un peu plus haut. Il y a un peu plus haut. Et d'accord. Il va faire quoi? Par là, si. Et moi, j'ai l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur. Et un soir, on fait les Los Santos Got Talent. Il dit à Kim qu'il va rentrer et il me réveille, tout a passé. Mais... Et si tu prends pas d'essence, on va finir en rade. Oh putain! Et tu vois les sous? Attends, j'ai. Tiens. T'as le sou? Non, t'as pas le sou. Si, si, c'est bon. Mais moi, il est mes maris, il est fait le Santos Got Talent, il est sous-marié, il est pas le temps d'aller avec ma femme, il me réveille, il n'y a plus personne. Attends, parce qu'il faut calculer. Faut calculer quoi? Ah si, tout à l'heure il me l'a fait. C'est des pompes nouvelle génération, faut faire des maths. Ok, c'est bon. Bah oui. En fait, tout le monde s'est barré. Tout est parti en couille et tout le monde s'est barré. Du coup, quand il n'y avait plus personne, je suis parti. Il y a un beau bleu. Je sais plus comment il m'appelle. Et en même temps, il a envie de croquer la vie, mais Kim, elle me manque aussi. Et on n'est plus des Vagos, en fait. Bah ouais, non. Là, c'est plus des Vagos, quand même. Ils sont toujours habillés en jaune, mais on n'est plus des Vagos. Ouais. Ou alors, on reprend les Vagos, je sais pas. Je sais pas. C'est comme... Ça, je sais pas. C'est un nouveau départ pour nous. Ouais. On part de zéro, non? Le frère et la sœur qui montent un cartel de ce que vous voulez qu'il rapporte, parce que moi, je vais pas vendre de la weed toute ma vie, c'est vraiment de la merde. Ouais, c'est de la merde. Moi, je suis même prêt à vendre n'importe quoi, hein, des serpents, tant que ça fait du pognon. Tu penses que serpent, ça se vend? Je sais pas. Tout se vend. Moi, s'il faut, je vais chercher des pots de cul. Je m'en fous. Je vends des gens, moi, s'il faut. Oh là là, ça a bien marché les affaires, mais là ça marche au plou, hein. C'est vraiment... Ils sont même allés voir s'il n'y a pas Kenneth. Kenneth, il me manquait. Et du coup? Il n'y a pas Kenneth. Il m'attendait à voir sa petite voix fourbe. Miguel? Miguel? Il voulait vous faire le coup du FBI, mais pas de Kenneth.
On dirait que toute la ville a changé sans que... Si, ça a l'air le plus neuf, comme s'ils avaient fait l'avalement de façade. Ouais, c'est ça. En soi, c'est pratique, mais... Il y a même pas une arme pour faire un braquage. Ouais, non, là on a rien du tout. On est à poil. En même temps, quand il pleut, il n'y a pas souvent du monde. Ouais, non, c'est un on peu se tape que de la pluie. Madame, tu veux de la bœuf ? Madame, tu veux de la bœuf ? Allô ? Oh, mais réponds au moins ! Non, merci ! Connasse. Oh, ça m'a manqué, les connasses. Ça me fait plaisir. Tu le mets du bon à mon cœur. Il y a du monde là. Si, il me prépare au cas où il y en a un qui me fait signe. Qui crie, il veut de la weed, il veut de la weed. Comme si c'était marqué sur nos fronts qu'on vend de la weed. Il pense que c'est ça. Ouais, ça va être marqué. Délinquant. Criminel. Ancien vagos tout pourri. Ancien vagos tout pourri. Nouvellement pas relié au vagos en carton, surtout pas. Il y a des gens là, il y a des gens. Qui veut de la bœuf ? Vous voulez la bœuf ? Ah, il y a une bœuf là-bas, il me fout un signe, avance, il me fout un signe, la dame là, okay, la dame à droite. Elle me fout un signe. Il veut de la bœuf ! Madame, nous avons la meilleure bœuf de Los Santos avec ma soeur, et nous vous proposons pour la modique somme des. Merci madame, il n'y a pas eu le temps de te dire le prix, elle m'a filé une pognon. Il n'y a plus personne qui me respecte, lui. Vraiment, elle était là, elle m'a regardé, elle était ferme ta gueule, elle te connaît pas. Avant, les gens, ils étaient là, ils me respectaient. Ils disaient, oh Miguel, tout ça, il m'appelait tout le temps. Miguel. Maintenant, il n'y a plus personne qui m'appelle. Et c'est la merde. Moi, il y avait déjà personne qui m'appelait, donc ils ok. Si, toi, t'étais tranquille. Moi, il y avait une standard téléphonique, ça fait bizarre. Ouais. Un camion des pompiers. Non, il ne devait pas voler un camion des pompiers. Non, c'est pas une bonne idée. Oh. Non, ça avance pas vite, un camion. Qu'est-ce que tu fais? Oh, tout sent la merde. Ça me rappelle Basile. Mais si, moi aussi, mais on peut pas voler un camion des pompiers, c'est la merde. Regarde, s'il n'y avait pas des pompiers autour qui voulaient pas de la bœuf pour se détendre. Parce que les pompiers ils veulent la bœuf. Putain, si on m'avait dit un jour, Miguel, t'aurais une régression de 6000% pour vendre des bœufs, il n'y aurait pas dit ça. T'as des centoures ? Si, mais centoures toujours. Il me reste 13 pochons de cannabis. Putain, on n'est pas loin d'où ? C'est compliqué là. Il y a personne. Il y a un monde à gauche. Derrière, il y a un client, il m'a fait une signe. À l'angle de Vinewood Boulevard. Une personne juste en face là au niveau du tsunami. Il m'a fait une signe là. Il est où, regarde, il me regarde avec un œil coquin. L'homme à Marcel. Bonjour monsieur Marcel, vous voulez de la drogue? Si t'as une bonne tête de drogué, allez, va te défoncer. C'est une bonne chose, c'est pas bon pour la vie, mais c'est bon pour mon pognon. Et arrête pas de perdre mes lunettes. Comment ça tu perds tes lunettes? Mais c'est qui me sont cassé la gueule plusieurs fois. Ah! Après c'est... Oui. T'es resté 6 ans dans le coma, hein. C'est normal que faut que tu reprennes à marcher et tout. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Si, tout fout ma gueule, comme tout à l'heure, il trouvait que t'étais une... Là, dame, elle a une tête de drogué, là, à droite, là. Les deux, il y a un sous-sol qu'il y en a un qui va m'acheter. Il arrive. Mais fais pas pendero, ma soeur, elle va te tuer. Bonjour. Livraison de drogue à domicile. Merci de les donner dans vos roues, c'est cool. Pensez à voler les petites vieilles pour me passer de les sous. Si. On va y arriver. Il y a du monde là. Si, là, derrière. Il en veut. Il m'a fait un signe. Mais il est débile, il vient de te donner. Cognon. C'est pas possible, c'est toujours une ville des débiles.
Il n'en a peut-être pas assez, hein. Si, mais il est donné. Je pense qu'il a compté ses billets en disant, tiens, vous avez donné à mon copain, pero pas moi. Olé. Il va falloir qu'on trouve une solution. On peut pas faire que ça, non? Ah ouais, non, faut vraiment, enfin, genre vraiment pas. Il y a un scooter. Mais on prend un scooter si tu veux, mais ça pue, non? Tu veux qu'on fasse des livraisons de scooter? Moi, il y a mon délire. Non, en vrai, il faudrait une moto, genre Sanchez ou un truc dans le genre. Tu veux qu'on aille voir combien ça coûte une moto? Yep. Comme ça. Ah là là, à droite là. Ils vont là, juste là. Allez, le groupe de personnes là, il m'a fait signe. Ah oui, ok. Y allez, bouge pas. Oh là là, oh là! Oh, heureusement qu'elle s'ouvre dans ce sens-là, sinon il était foutu! Bonjour. Excusez-moi, Miguel, de plus rien du tout. Il vend des drogues. T'en veux? Tu veux qu'on aille voir les concessionnaires? Ouais, ouais, ouais. Et t'es mon point. Ah non, tout c'est où c'est bon? Oui, bah oui, si c'est toujours là où je c'est avant. Bah enfin, j'espère, parce que même si le concessionnaire a déménagé, on est foutu. Ouais, normalement on est bon, il me rappelle, les voitures ou les motos, ça vaut 200 balles. C'était pas cher à l'époque. Inch'Allah, c'est plus cher, hein. C'est moins cher. Encore moins, je pense qu'avec les... Non, le médecin m'a parlé d'une inflation. Ah! Que tout, il avait inflationné, c'était le boule d'elle. Il c'est m'a dit qu'avec 50 000 balles, on a tout juste une chambre d'hôtel. Mais non. Mais apparemment, si. Avant, avec 10 000 balles, on s'achetait un appart de luxe. C'est à peu près ça. Là, apparemment, pour 50 000, c'est une vieille chambre d'hôtel dégueulasse. Oh, on est dans la merde. Moi, je pense qu'on est bien dans la merde, si. Moi, c'est surtout qu'il m'a dit qu'il ne sait pas comment. Tout une question, mais. Comment il peut me racheter un entorno? S'il ne fait pas de pognon, il veut mes entorno. Il faut aussi, faire du pognon. Il veut aussi la possibilité des. Comment ça s'appelle? Hop là. Et, il a dit qu'il faut la fermer, mais c'est même pas à nous. Ouais, hop, voilà, c'est fermé. Piou piou. Voilà, ça marche bien comme ça. Ça fait gros gens que c'était à nous. Allez hop, on se casse. Bon. Bon, Bila, il faut un coma. On a perdu ouais. Tout le monde. Oui. Il reste plus que toi et moi. Il n'y a même pas ma femme pour nous faire un petit câlin dans une buissonne. Et. Je ne veux pas savoir. Et on a plus de voiture. Une moto, il y a une moto. Une femme. Ça coûte super cher! What the fuck? Une Fiaggio, ça vaut 5000 boules! Il est même pas travaillé pour une foutaine de Fiaggio! Oh, Eli, on est tellement dans la merde! Il faut qu'on fasse du fric vite! Il faut qu'on fasse. Il faut aussi qu'on recrute, non? Des personnes? Ouais! Des petites mains! Pense. Parce que moi, il n'y avait pas avant toute ma vie! Donc, ouais. Il faut trouver des personnes, il dit, allez, vends pour moi, vends pour moi! Non? Si, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Une Sanchez, c'est 5 700 $! Il y a ces sous-là, moi! Tu veux, il paye? Comme tu veux. Tu veux une Sanchez ou tu veux quoi? Ouais, une Sanchez. Parce qu'après, on n'a pas les pognons après. Tu veux une normale ou une couleur? La normale, elle est moins chère. Si, elle est beaucoup moins chère, il y a plein de normales. Et il confirme l'achat. Si, vous n'avez pas le permis nécessaire, présentez-moi votre permis. Et oui, un peu plus. Il faut un permis. Et... À l'époque, on n'avait pas besoin des permis pour acheter. Maintenant, il faut un permis. Et t'as toujours la tête des Basiles. J'ai toujours la tête. Mais non. Mais si, mais c'est pas grave. T'as une tête des Basiles, t'as une tête des Basiles. Le médecin a dit que c'est une maladie. Donc, il faut qu'on aille passer les permis. Pero, il croit qu'il faut les sous sur soi. Et c'est pas combien ça vaut. Je sais pas. Donc, il faut un permis. Sinon, on peut pas acheter une moto ou une voiture. Il vérifie les identités. J'ai acheté une voiture, mais j'ai passé mon permis avant, parce que j'ai encore perdu tous mes points. Ah, et t'as une voiture? Alors, j'avais une voiture,
Et du coup, tu m'as récupéré avec une voiture comme ça, donc elle est au quartier des Vagos. Ah merde, faut qu'on y retourne, non? Ouais. Elle est sur le parking. Attends, il va faire un test des personnalités. On va rentrer comme des connards dans son quartier, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on se fait fumer la tête ou pas? Je pense que non. Tu penses que non? J'hésite quand même s'il doit l'appeler ou pas. Saint-Tour? Oh! Toujours à Saint-Tour. Donc il m'a dit que les familles, c'est un endroit qui est quasiment vide. Ah ouais? Si. Y a plus personne? Bah, il dit qu'il y a une guerre des gangs et qu'il y a beaucoup en crevé et que depuis c'est calme. Il m'a parlé des Vagos, mais il sait pas qu'il y a d'autres. Ok. Il n'y a même pas des coucards de chat sous les voitures, ça se perd ça, hein? Nul à chier. Il m'en fout. On peut s'appeler les gangs des coucours à chat. Elle est tout droit, ma voiture. Sur le parking, le dernier parking. Attends, il va lui dire. Il fait un peu le pognon, mais ils achètent pas trop. Il fait 3000. Tiens, il te donne. 3000, ça va. 2951. Oui, folie du cul. Folie du fou. Fou. Tu t'es fait choper par les flics? Non, pourquoi? Mais il est pas fini. Il me reste encore 9 pochons. Depuis quand est-ce que les types ils donnent des 1$? Oui, bah écoute, ça devait être dans mes poches d'avant. Oui. Bah on va continuer, pero on a un souci. Avant, nous, on n'avait pas besoin de passer le permis. Apparemment, faut passer un permis pour acheter une moto. Ah bah oui. Si. Bon. Il revient tout à l'heure. Si. Attends. Vu le respect que j'ai pour toi, le fait que t'es un ancien grand du quartier, qu'est-ce qu'il fait, lui? Attends deux secondes. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Teddy, c'est un gang à mousse. Moi, le mec, il rentre chez moi comme ça, il plombe sa voiture, les Kunuzi. Il dit, tout dégage de mon quartier, Angoulé. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Évite. Toi, vous, que si tu veux parler moins fort ou plus fort, tu penses très fort à un bonbon ou? Ouais, j'ai vu. Oh, les types ici, gros. Si, ça a l'air compliqué. Ouais, non, mais les types, ils s'en battent les couilles. Ça a l'air de s'en foutre, oui. Oh, ouais, non, mais ça, ils s'en battent les couilles. C'était une voiture sans permis, non? Ouais. C'est un mec avec une voiture sans permis qui est rentré comme ça pour dire bonjour? Non, parce qu'il veut des sachets. Ah. Pour moi. D'accord. En fait, il y en a tellement que je les connais pas tous. Du coup, c'est bien ça? Ouais. On se relaye, tu sais. C'est une bonne nouvelle. Et tu disais que t'avais beaucoup de respect pour moi et que t'allais m'offrir les Vagos? Non. Non, d'accord. Non. Il demande au cas où. Je peux pas faire ça. Si? Mais par contre, si tu veux que je t'avance de l'argent, ça je peux faire. Non, les bons comptes font les bons amis. Il avait fini les ventes de toute façon. Et combien ça coûte sur les 3000, combien ma part? Attends, je te calcule ça. 1 million, je pense qu'il va dire 1 million. C'est chaud, 1 million. Si, ça marche. 1 million pour 3000 de billets. Si. Parce que je m'égale. 1 million. On fait mout-mout du coup. T'es mout-mout. Oh, il y a des trucs qui sont restés, c'est trop bien. Il y a des trucs qui sont restés, c'est bien ça. Mout-mout. Ouais, bah. Faut bien. Mout-mout. Putain, c'est moyen vendu, on fait que mout-mout, mais c'est une baise ça quand même, non? Non, mais baise, c'est bon. C'est mout-mout. Attends deux secondes, j'ai pas de sous sur moi. J'arrive. Tiens, je te redonne des vaches à 20. 20 Encore des pochons? Oh, il y a un peu plus, moi, des cannabis. Il y a une pistolet, j'y vais prendre Ginette par le derrière. Et hop, la Ginette, elle va me filer sa caisse. C'est au moment donné, moi, ils me sont endormis.
il était marié, il allait choper ma femme, il n'a jamais pu choper ma femme. Sous le merde. C'est vrai que, du coup, tu l'as jamais chopé? Mais jamais, il voulait, mais il n'est pas pu. Il rentre des mariages et il me soudit, ça va être la fête au village, il va l'attraper toute la nuit. Et il n'a rien attrapé, il me sous-réveillé, un docteur de merde là qui me dit, monsieur, tu fous une coma. Il dit, mais tu fous une coma de quoi? Il me dit, 6 ans, il est où ma femme? Elle est partie. Chaud. Il n'a même pas mis un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Non, il n'a même pas mis un doigt. Mais Et même pout, passe pout. Il y avait une passe-poutre, mis mon lombri. Peut-être que les pichons qui sont toujours là, ils vont te filer un passe-poutre. Ah, c'est toujours les pichons qui tiennent les clubs des striptease. Ce taudis, il est fermé depuis 10 ans, ou... Enfin, 6 ans. Ils ont tous fait burn-out. Ils ont tous fait burn-out. Moi, j'ai donné la liste... des bonhommes que tu cherches. Si. Donc, dès que j'ai des infos, je te les envoie. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Je vais chercher de l'argent. On se retrouve à une banque, vite fait. À une banque, si. Quelle est la banque? Dis-moi où? Sur Vespucci Boulevard. Vespucci, Formel, Innocence Boulevard, Adams Boulevard, Olympique, oh le bordel. Vespucci. Ah, si, une banque là-bas. C'est une banque, ça? Ouais, c'est une banque. Allez, d'accord. À voter. Je te retrouve là-bas. Olé! Olé! Ellie? Oui. Il est honte d'avoir été une vagos. Allez là-bas, voiture, à gauche. C'est la dilettante blanche. Ah, c'est même pas une voiture lyonne, une dilettante. Et c'est ça? Bah oui, c'est le truc de mon chat que j'ai trouvé. Mais non, pas ça! Mais non! Mais qu'est-ce que c'est pour une voiture? C'est une voiture. C'est une Toyota! C'est un Toyota! Attends, il essaie ce qu'il veut faire, il bouge pas! Il a une idée! Attends! Parce qu'il veut pas quand même que tu habites un Toyota! Il la pousse! Allez, on y va! Ellie, on est parti! Allez, go! Une voiture et 1 km. Par contre, faut que tu tournes le volant, sinon il peut pas pousser! 1 km à pied! Ça ouse! C'est pour le démarrer le moteur! C'est bon, mais non! Il veut m'accélérer dessous! Attends. Ah, il veut pas mourir, allez, vas-y, conduis! Il y a un peu plus. Ellie? Oui? On est en train de dealer de la weed. En dilettante? Dans une Toyota. Il y a un mec qui veut de la weed. Attends. Fous marche arrière. Il est souvent un client prêt. Allez, au courant. C'est dans le quartier des Vagos. C'est bon, stop. Ah bah non, il est parti. Il a voulu la Toyota et a fait non. C'est non. C'est pas possible. Elle est très bien, ma Toyota. Sonoril de Yampoplou. Et donc, si on fait un récapitulatif, il reste toi et moi, mi hermana. Et oui. C'est tout. C'est tout. Et después, les familles, on ne sait pas où ils sont. Les vagos sont un gang en carton qui me donne rendez-vous dans une banque. Il fait même pas un aller-retour, il m'offre pas un café ou un whisky, il va une banque. Et on a un Toyota et on vend de la weed. Et il n'y a plus de club de striptease et ma famille n'a jamais pu manger dessus. Et il n'y a plus de permis, et puis personne n'y veut des enveloppes. Je sais pas en fait. Je vois pas comment ça a pu tourner aussi mal. Mais ça a tourné bien mal. Bien, bon gré, mal gré. Et quoi, j'ai entendu une fois cette information. Il faut qu'on recrute, mais il n'y a pas de sous. Si, écoute. Ouais, t'es où? Il arrive, c'est parce qu'on avait perdu la Toyota. Okay. On arrive là. Ça marche. Oh, quelle belle Toyota. On va être riche, il va nous donner mout, 1500 balles. Ouh, on est les qui? Tout va aller bien. Le mout. C'est même pas 1500 boules. Merci. Ouais, j'ai un blanchisseur au-dessus, gros. Si. Vite, il faut vite aller vendre de la weed toute la nuit. Attends. C'est la merde. Il fait des petits pas sur moi. Tiens. Oh, une clé à molette. Ah, ça, c'est gentil.
Merci. C'est bon, il y a une arme, on peut aller faire une soupelette. Allez. Je suis sûr que je peux les semer avec ma dilettante. Ce qu'on questionne, si jamais il pèle, les 29 pochons étaient doigts, combien? Rien, c'est pour moi. Ah, c'est cool, c'est parce que des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas bien. C'est bon, il avait parlé la Prius. Il avait craqué, lui, il avait craqué. Merci, Smoke. C'est gentil. De rien. Merci. Je sens que ça va être compliqué. Étant, ça va être compliqué. Il comment tout vaut qu'on instaure, il pense que on peut devenir une yéni du mal. Porque... Qu'est-ce que tu parles mal? Tout... Tiens non. Tiens yeah. Il y a un monsieur, mais... Il y a toujours les policiers quand ils font une connerie. C'est toujours pour moi, vite, dans la Prius. Oh merde, c'est pour nous, ça. C'est un tour. C'est un tour. C'est un tour. Ça passe. À l'aise. Si, c'est bon. Avançons. Tranquille. T'as vu la Prius? Oh super, c'est une voiture... Inaperçue. C'est une voiture qui est bien pour la conduire. Donc, on a deux possibilités. La première, vendre la weed. Mm-hmm. La deuxième. Attends, il appelle avant. Il appelle un truc. Il demande à Smoke. Hey. Si, Smoke, et une question. Si jamais il fait une soupalette aux deux, il donne à qui après? Il peut vendre à toi? Ah oh, ouais. D'accord, tu reprends combien les sacs? 70. 70 dollars le sac? Mm-hmm. 70 dollars le sac? Avant, vous prenez 200. C'est pour une inflation là, c'est un bordel. D'accord, et combien ils donnent des sacs? Jusqu'à 80 il me semble. Donc au mieux 80 sacs fois, tu le prends 70? Yes. 5600. Il était l'appel, bisous. Plus. Ok, il dit bisous le mec, il gueule pas. Ok, c'est un mec en carton, il les teste mais c'est un mec en carton. Et donc, apparemment c'est la guerre aussi, c'est les superettes. Donc, il t'explique. Oui. Les superettes, il achète ça 70 dollars. 170 ou 70? Non, 70. 70, ah oui, chaud. Tous les prix sont claqués, qu'est-ce qui s'est passé à cette criminalité? Et pas si. Il y a une idée. Ah si, enfin, on va dans la weed ou pas? Il pense que c'est plus saoul de faire la weed. Ouais. Allez, on fait la weed. Et au cas où, j'ai une clé à molette. Continuons le stock, il m'en reste 29. Parce qu'il y a des flics derrière nous. On va donc arrêter les ventes de la drogue. C'est bon, il ne souffle pas. Il avait peur qu'il m'entende. Des fois, il ne souffle pas très... Il ne souffle pas... Ah si, il fallait aussi qu'on a... Qu'on... Comment ça s'appelle? Qu'on aille chercher un permis moto. Mais d'abord, on fait les sous. Ok. Ils ont l'air un peu plus... Comment dire? Ils ont l'air un peu plus... Oh yes. Il pense qu'il peut voler. Il y a un mec qui va la... Il y a des mecs qui vont en moto à la banque. Il tu penses qu'il va la fermer? Hein? Tu fais quoi? Tu veux le braquer? Mais oui, il y a qu'une clé à molette. Oh putain, c'est galère. Dans quel monde il peut braquer une personne avec une clé à molette, putain? Je sais pas. C'est, il peut pas, il y a une chance sur une de foiler mon coup, non? Il vient avec une clé à molette, il dit bonjour. Ou tout me donne ta moto, il te met un coup de clé à molette. Un peu plus. Je vais s'ennuyer un peu des flics. Au pire, la seule chose qu'il peut faire avec une clé à molette, c'est les parler les... Oh! What's the news? C'est peut-être Kinette? Ouais, là, j'ai vite! Ah oui, il y a des... Ellie, fonce! Mais... On a une Toyota, on est à fond! T'inquiète pas! Oh, vitesse de pointe de folie! Oh, les démons de minuit, le moteur, il va cramer! Oh putain, on est en bas de l'échelle, klaxonne-le! Dis bonjour! Arrêtez-vous! C'est les vagos. Ah bah non, c'est plus les vagos, c'est nous. Allô? Monsieur? Madame? Il faut lui demander. Soit il a peur. Oh non, il faut nous appeler la police, hein, surtout. On veut pas te braquer, pour une fois. Il peut peut-être faire une annonce, mais non, il n'y a pas de pistolet pour lui faire peur. Ça va être compliqué. On a du mal à l'attraper, non? Je suis pas à fond.
La voiture, c'est un peu de la merde, non? Ah, c'est bon. C'est un peu de la merde, ouais. Je crois qu'il a peur. Mais si, mais... Allô, excusez-moi. Mais viens ici. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Mais non, mais... Bon, voilà. Mais toi, mais qu'est-ce qu'il... Ah, mais c'est pas possible, il veut dire bonjour. On cherche un journaliste, on trouve pas un journaliste. Et bonjour. Bonjour. À vous aussi, vous avez la tête de la même que ma soeur. D'accord, vous avez tous des têtes de Basile. D'accord, ok, c'est super. Je veux savoir si Kenneth, il travaille toujours à Wesel News. Pas que je sache, non. Vous sachez ou vous sachez pas? Bah, je vous dis non, il est pas chez nous. Merde. D'accord. Je connais pas ce nom. Merde. Connerie. Connerie. C'est vraiment un shot. Excusez-moi. Oui. Vous voulez pas de la de cannabis? Ah non. Non, et vous vendez pochons, vous voulez pas vous faire un peu d'argent de poche? Non, c'est gentil, merci. Non. S'il vous prend en otage, vous pouvez diffuser des annonces pour moi, chez Wesel News? Si vous me prenez en otage? Non, c'est une question. Bah, j'aimerais mieux pas que vous le fassiez. Non, mais si jamais il vous prend en otage, c'est possible de diffuser les annonces ou pas? Parce qu'il n'y a pas trop de dinero. Vous avez pas trop de? De dinero. Bah écoutez... Vous me prenez pas en otage et après vous pouvez faire comme tout le monde, payer pour une petite annonce. Alors, combien ça coûte une annonce? Bah, ça dépend de l'annonce que vous voulez. Et une annonce standard, style les vagos, 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 c'est génial, les familles des putes, c'est nul. Pour combien de temps vous voulez la diffuser? Attends, ne bouillez pas. Et c'est devenu compliqué, Wesel News, avant de payer, diffuser, là, il comprend pas, il y a des modalités. Et c'est pas, il comprend pas. Si. C'est-à-dire, excusez-moi que ma soeur pose des questions. C'est-à-dire de combien de temps il veut diffuser? Il veut diffuser une annonce, quoi. Il veut payer une annonce qui est diffusée. Eh ben oui, mais après, elle reste en ligne un temps défini. Excusez-moi un instant. Je vous en prie. Ellie, il veut faire une burn-out. Une véritable burn-out. Il y a un peu plus. Combien de temps on diffuse que les vagos, c'est les meilleurs et les familles des putes, ils sont nuls? Bon, je sais pas, 2-3 heures, non? Ah, yedi. Et 2-3 heures. Après, on va peut-être éviter d'insulter les gens, quand même. Si, mais ils payent. Oui, mais enfin bon... Mais c'est les familles aussi, ils sont nuls. Certes, mais enfin, on va peut-être éviter de fâcher les gens, quand même. Non, mais c'est pas grave, il y a l'habitude, il y a les fâches, après il me tire dessus, il tire dessus, le capitaine il vient, il fait non, ça suffit. C'est normal. Et comment ça... Ah bon, le capitaine il est d'accord? Non, il n'est pas d'accord, mais il prend une enveloppe, comme d'habitude. Il donne une enveloppe de pognon, il prend l'enveloppe et il se tait. Toujours fonctionné comme ça. Le capitaine Mason. Ah non, le capitaine Boyle. Ah, bah, il n'est plus capitaine, ce monsieur. Ou alors, enfin, je le connais pas, en tout cas. Non, parce qu'il est passé commissaire, il co-commissaire avec le commissaire Cook. Et c'est le chien qui est passé capitaine. Ouais, c'est le yinche. C'est le chien, on est d'accord, Lily, hein? Oui, c'est le yinche. Le yinche, c'est parce qu'il était inspecteur, mais il est passé... Mère et capitaine. Mère et capitaine à la fois, c'est une mère parce que c'était... Rotares qui était mal adjoint. Ils ont dû prendre leur retraite parce qu'il n'y a plus de capitaine à ce nom-là, ni de mère à ce nom-là. Ah, d'accord. Et donc, une annonce, combien ça coûte? Du coup, ça dépend. Vous voulez diffuser. Ellie, essaye-toi, moi, un peu plus. Il veut juste savoir combien ça coûte une annonce. Et ça dépend. Essaye. Du coup, ça coûte combien une annonce standard? Une annonce standard, justement, pour combien de temps? 2 heures, on va dire. 800. 800 dollars? Mais après, on n'insulte pas les gens dans nos annonces. Ah! Ah, ils n'insultent pas les gens dans leurs annonces. Mais combien, pardon? 800 dollars, mais par contre, ils n'insultent pas les gens dans leurs annonces. Oh putain, avant c'était 300 000 dollars l'annonce. Ah bah, il est content, il va prendre beaucoup. Avant, c'est bâtard de Bailey, il nous faisait payer 300 000 dollars avec Kenneth. Ah ouais, putain. Bon bah, merci madame, c'est gentil. Et Soul, vous voulez pas les cannabis? Ah non, sûr. D'accord, bah, c'est vrai que vous pouvez faire des gâteaux avec la bœuf aussi, hein. Vous savez, moi, les gâteaux au chocolat, tout simple, ça me suffit. Vous savez, okay. Nous, c'est pas...
C'est pas attention, pour... oui, les gens qu'on s'arrête. C'est pas tant pour le vendre, c'est juste que nous, on a une déflation des niveaux sociaux et qu'on est obligé de vendre des petits pochons de merde juste pour faire un peu de pognon avant d'envisager des braquages et de remonter une gang puissante, surpuissante, ou alors d'aller voir les Vagos actuels en carton et de tuer les chefs pour devenir les chefs des Vagos. Vagos, Vagos. Si, Vagos, Vagos. D'accord. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage, je sais pas d'accord. trop quoi vous dire. Non, non, mais merci. Voilà. Ah si, prends votre numéro, si jamais il y a besoin de faire une annonce, comment il y a pas elle 0835, Alia McGregor. Ah, attendez, 0835, et Alia, comment vous écrivez A2LYA. Si. McGregor, comme un Grégoire. Grégoire, si. Oui. Avec un E. Non, enfin oui, MCGREGOR. D'accord, il est noté. D'accord. Et il y a mis Wessel News ou pas? Il va mettre Wessel News. Wessel News. Si. D'accord. Merci, mademoiselle Madame. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Et Ellie? Oui. Il pense qu'il est devenu aussi puissant qu'Henriette? Il pense qu'en termes de social, si, c'est doux. Mais il me rend compte que là, c'est une descente aux enfers. Il me demande s'il n'aurait pas mieux fait de crever dans mon lit d'hôpital. C'est... Toi, Henriette, je suis au niveau d'Henriette. Mais quand elle, quand elle a perdu les élections, pas avant. Avant, elle avait encore un statut social. Moi, il y a un peu... Après, c'est la descente en enfer pour mieux remonter, non? Si, mais... Mais ça va prendre du temps. Ah oui, oui. Y'a personne qui va acheter notre bœuf de merde! Attends, je vais dans un endroit où c'est fréquenté. C'est loup merde. Moi, je pense que. On est foutu. Mais non. Mais en tout cas, il y a l'impression que les gens nous respectent un peu plus qu'avant. Et c'est chelou. C'est-à-dire pas beaucoup plus. Va vraiment falloir... On va se faire une guideline, d'accord? Il va faire des recherches avec son téléphone. Dernier cri, il va faire des recherches sur Google. Il y a vu un truc tout à l'heure. Attends, il faut que je te montre. Arrête-toi. Oui. Il te montre une chose de dingue. Si il prend mon téléphone... Attends, bouge pas. Hop. Ça... Regarde ce qu'ils peuvent faire les téléphones modernes. Mais... Il peut t'envoyer des photos. Il peut tuer une personne. Il te montre les photos de comment il est tué. C'est trop bien ça. C'est une MMS, il m'a dit les médecins. MMS. Une MMS. Putain, j'ai l'impression d'être parti dans le coma pendant 6 ans aussi. C'est chaud. C'est chaud. Si. Mais parce que t'étais parti où, balouder? Je suis reparti à New York et puis après j'ai fait un peu tout le tour des États-Unis et... En fait, j'ai rien branlé. T'as dépensé du pognon encore et encore. Et moi, il fait dodo. Il fait dodo 6 ans, alors il peut te dire que c'est la merde. Bah, j'ai peut-être fini en taule aussi. Ah merde mois. Oh, c'est un problème ça. Ouais. Bah, quand on n'a pas la bonne équipe pour braquer une banque, c'est un peu chiant. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai pas eu la bonne équipe, j'étais tout seul pendant 6 ans. C'était une équipe un peu bizarre. Puis je me suis réveillé avec le débile là. Oh. Il aime pas. Les comment ça s'appelle? Le médecin et le costard. Il sait pas pourquoi le costard. Peut-être parce que c'est le chef? Non, c'était même pas le chef. Il sait même pas comment il s'appelle. Putain, mais y a personne ici. Ah si, il faut y manger. Oh, aussi, manger boire, manger boire. Ah oui. Plus qu'avant, il y a l'impression aussi. Enfin, les rations sont plus petites. C'est surtout qu'à un moment donné, il peut avoir à bouffer et à boire, moi. Il y a une black burger encore et pas mal de boissons. C'est qui ça? D'accord, c'est qui ça? Il y avait du monde qui marchait. Ah d'accord, tu me parles à moi comme si j'étais une kleps. Il dit, ça y est, c'est le pompon. C'est qui ça? C'est qui veut se jouer? Je me suis dit, c'est pas possible. On commence pas comme ça. Moi, il me fout un l'air dans la flotte. Hein. C'est à un moment donné, il y a pour toi, c'est founi. Il y avait deux mecs qui marchaient. Ah d'accord, tu faisais du... Tu faisais de l'œil. C'est qui ça? Oh, il y a une personne, c'est bon. Il y a une vendeur. Où ça? Où ici. Mais tu peux pas tourner à gauche là maintenant. Les GPS, il est débile.
juste là, dans la roue à gauche. On est quand même en train de dealer de la drogue avec une Toyota Yaris. Bah justement, pas si inaperçu. Ah bah alors là, c'est sûr que là, là on peut pas nous le connaître. Moyoul. Hein. Par contre, si on remonte une gang, oui. On peut rester bien habillé. Moi, on peut pousser bien les bombers, mais Lenny, des fois, il voulait commettre des choses, j'étais pas d'accord. Oui. Non, juste voilà, il voulait te dire. Moi, je suis bien habillé. Non, réponds pas, c'est bon. Il est pas répondu. C'est joli ici comme quartier aussi, non? Ouais, c'est bien, ouais. Il y a pas d'endroits qui sont sympas. Tu te rappelles la fois où c'est pas là qu'on avait voulu Earl Bailey avant qu'il meure? Non? Si! Dans la ruelle là derrière, non? Ah, mais oui, si, c'était là. Si, là, bien. Juste là. Avec une ruelle bien dégueulasse. Ça, c'est une ruelle où t'as l'impression que tu vas te faire bouter. Ici, là, ça fait aller. Je pense qu'on aurait pu le buter ici, hein. Si, mais on a laissé Kenneth. Quoi? Il y a une. On fait une quartier général, bienvenue à la maison. Oui, il faut faire quelques travaux, mais je pense qu'on peut en faire une quartier général. Il faudra qu'on regarde aussi. Où est-ce qu'on fait une quartier général? C'est important. Ouais. Je pense qu'en vendant de la drogue, on va pouvoir bien visiter la ville. Et moi, tu sais, j'étais rentré dans les wagons, qu'il n'y avait pas le choix, j'étais jeune. Et c'était ça ou la loue. Et maintenant, il me dit qu'on peut choisir. Donc on peut décider de comment on s'appelle. On peut aussi décider de ce qu'on fait. On peut aussi décider de qui c'est qu'on en coule à minuit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Tu te demandes le rapport avec l'encoulade, mais il sait pas, il va me déplacer en coulade. Il fait ce qu'il veut, il est sous poumon. Oh non, encore nous. Shit. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas, j'ai peut-être roulé trop vite. S'il vous plaît, coupez le moteur et descendez du véhicule, s'il vous plaît. Non. Pourquoi non? Il a qu'à venir à la porte. S'il vous plaît, monsieur, descendez du véhicule. Non. Soyez poli. S'il vous plaît, monsieur. Je m'en fous, il t'entend pas avec ton mégaphone. T'as qu'à être poli et gentil, on n'a pas fait les bêtises. Vous êtes tous tendus dans cette ville de merde. Et bonsoir, on va vous demander de couper le contact et de descendre, c'est bon. S'il vous plaît. Bonjour, monsieur l'agent, vous allez bien? Bonjour, monsieur dame. Je vais bonjour, monsieur l'agent, bonjour. Ça va? À la conductrice de me suivre, s'il vous plaît. Ah merde, oui, c'est moi. Il laisse non, les mains. Pas la conductrice. Ne me tapez pas dessous parce que je suis hispanique. Bonsoir madame, comment allez-vous? Pas de délit de sale gueule, bordel. Il parle pas, putain. Il crie un peu beaucoup. Il me laisserait pas faire. Il va appeler les services de l'immigration. Attendez, sous le scandale. C'est lui qui a vu. Je te laisse faire le contrôle. Ah, c'est toi qui a vu. Ben, c'est toi qui a vu, ben, pour le... J'ai vu l'identité et tout. Vous allez encore taper une pauvre mexicaine. Mais non, monsieur, simplement. Laissez les mains, monsieur. Bonjour. C'est bon? Oui, oui. Bah oui, on va d'accord. Juste un simple contrôle. Il y avait l'habitude avec la police qui me rappelle, il faisait ça. Ah bah, nous, ça fait. Si. Pas si longtemps que je suis là. Si longtemps que ça que je suis là, nous. C'est souvent le lieutenant Cook qui faisait ça, puis dès qu'il disait je suis pas d'accord, il me mettait en prison fédérale. Le lieutenant Cook? Le lieutenant Cook. Si. Vous parlez. Le lieutenant Cook et le capitaine Boyle. Et le chien? Le chien, t'es inspecteur? Un chien inspecteur. Si, c'était un chien qui était inspecteur. Attends, mais... Il a été maire aussi. Oui, c'est bien. Un chien maire. Un chien maire. Attendez. Et, ok. J'étais un peu trop vite à un feu rouge. Après, c'était un commissaire Boyle, le co-commissaire Cook. Ou le commissaire Cook et le co-commissaire Boyle. Ok. D'accord. Et souvent, il disait « Mais regarde, les vagos. Bon, maintenant, il me faut une vagos qui va en prison. » Il disait « Bon, non. » Oui, non, mais si. Il faut absolument. C'est important. Attends, madame, si vous pouvez baisser juste d'un ton qu'on vous entend d'ici. Ellie, ferme ta gueule! Mais c'est pas ce qu'on a dit, monsieur. Si, il fait une raccourci. C'est normal. Un peu de calme. Et il y a une question. Oui. Comment ça fonctionne les enveloppes avec les policiers de l'actuel commissariat? S'il faut une enveloppe, imagine, il plante un bonhomme. Et le policier me voit, il donne une enveloppe. À qui il donne l'enveloppe? Juste immatriculation. Vous voulez me demander si vous voulez faire de la corruption, là, en gros? C'est ça. Non, c'est pas de la corruption. Non, c'est une question C'est pas la corruption, c'est un service. Et ben, sinon, vous aimez, vous dites « Oh, dis donc, Miguel, il aimerait bien une voiture verte. » Il dit « Tiens, il va t'aider à payer une voiture verte. » Et toi, pas vous, la personne qui est plantée.
C'est une question, il me demande, et voilà. Non, mais en fait, ça s'appelle de la corruption, c'est vraiment interdit, ça, monsieur, en fait. C'est interdit, ça, monsieur. Non, mais c'est pas de la corruption, c'est un cadeau. Si, c'est ce qu'on appelle un pot de vin. C'est de la corruption. En fait. Un pot de vin? Mais quel est le rapport avec le domaine des Montbouillac? Montbouillac? Ouais, Montbouillac. C'est-à-dire? Montbouillac, il vend du vin? Marlot. Ouais, c'est. Non, Montbouillac, Donatien. Marlot. Il est fou bien. Dalmatien est fou bien. Non, mais Il y a un écho. Attendez, il cherche. Allô? 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 Ah, c'est vers vous, là. Vous. Ah! Ah! Si, c'est chez vous, hein. Ah! Mais. Ah! Restez à distance de mon collègue. Ah! Non, là, ça fait pas, regardez. Ah! Non, là, un peu, entre les deux. Ah! Ah! Ah, ça fait pas du tout, c'est vraiment entre vous deux, monsieur. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on appelle un médecin? Non, tout va bien, excusez-moi, c'est qu'il est un peu craqué aujourd'hui, ça, il me calme. Non, mais c'est juste pour vous, hein. Si tout va bien. Si, tout va bien, impeccable, c'est bon. C'est parfait, alors. Super. Si vous contrôlez le studio, on va vous laisser reprendre. Oui, et en plus, ma soeur, elle a son permis. Oui, moi j'ai mon permis. Si. Moi, il est aussi mon. Non, il n'y a pas mon permis, moi. Mais il n'y a pas moi qui conduis, oh. C'est mon collègue qui a contrôlé, donc. C'est bon, impeccable. Si il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Merci. Mais, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée. Vraiment plus sympa que les anciens policiers, parce que eux, c'était vraiment des bons gros connards. Vous, vous avez. S'il vous plaît. Dans tous les cas, même si je ne connais pas ces personnes, ils portaient l'uniforme, non. Si, mais il le salissait. Je pense que, ouais, c'était la partie qui était qui précédait notre arrivée, en fait. Vous avez peut-être une mauvaise expérience avec les agents, mais c'est pas en voir l'uniforme. Si, d'accord. Bah, écoutez, d'accord. On va pas vous embêter. Et il faut y aller, on a des livraisons à faire. Oui. Ah, vous travaillez au service des journaux? Pas du tout. Go Postal, alors? Pas du tout. Ah, et vous livrez quoi? Pas du tout. Non, la question c'est qu'est-ce que vous livrez? Pas du tout. Votre sœur, si j'ai bien compris. Si. Il fallait que vous y alliez parce que vous aviez des livraisons. Il dit ça, moi? Oui. Oui, tu l'as dit. Ah, si, faut qu'on aille prendre un emploi chez Go Postal. Ah, c'est putain, ça oui. Et les journaux, ça. C'est Go Postal, ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on va chez. Les pôles emploi, c'est où? Alors c'est en. C'est en. Sur ma carte. Et non, il y avait une localisation, pas une date. Non, parce que vous me dites 7 ans. C'est d'accord, mais 7 ans de. Il essaye, il restait 6 ans dans le coma. 81. Alors, c'est une bonne question. 8, mais 1, 7, 2. Qu'est-ce qu'il y en fout de ces chiffres? Tout le monde, il me parle, il me dit monsieur, foutez 80. Okay. En partant de là, vous allez sur Adam s'appelle Boulevard. D'accord, non, mais expliquez-moi, il fait quelque chose avec les chiffres là. Vous me donnez les chiffres. Oui, alors. Okay. Si vous regardez sur votre carte, sur votre téléphone, monsieur. Si, d'accord. Vous verrez que la nouvelle carte de Los Santos est référencée par code postal. D'accord, des ZIP. Des ZIP, aussi appelé ZIP. Et ben on d'accord. vous donne un numéro, et si vous allez à ce numéro-là, et ben oui. vous allez pouvoir directement trouver ce qu'on vous a. D'accord, et comment indiqué. Y va? Alors, pour les rentrer dans votre GPS, si. Vous avez une petite touche de paramétrage du GPS qui s'appelle F10. Il y a marqué F10 dessus. Et après, il note le numéro, et c'est quoi le numéro? C'est 8172. 8172. Ok, super, merci voilà. beaucoup. Et là, vous allez avec le GPS. Si, voilà. On y va au Pôle emploi. C'est et parti. Vous. Merci. Eh bien, écoutez, bonne soirée et bonne installation. Bonne soirée. Merci beaucoup. Vite, pas de gueule. Nous devons aller là-bas. Très bien. Saint-Tour. Oh, c'est au moins un point sur le GPS. C'est vachement bien, les zips. C'est trop bien, ça. Donc, il est joué avec les zips. Attends, il ne va pas jouer tout de suite, sinon on ne sait pas où on va. Moi, je vois pas où on va. Tu vois pas? Attends, il y a l'effet. C'était quoi? 81? Oh, merde, je ne sais plus. 78? Il essaye. 80, 78. Tu vois un truc? Ouais, c'est bon. Ok. C'est vachement bien, ça. C'est-à-dire que s'il t'appelle d'un braquage et te dit « C'est la merde, il est sous le volant !» Il te donne le numéro, tout ça où suit. Oh, c'est génial. Bah oui. Il y a l'impression que personne n'y comprend ce qu'on raconte tous les deux. Bah ouais. Comme si on venait d'un autre monde. Comme si on était fous. Pourtant, on n'est pas fous. Bah non. Il pense que si tu n'étais pas là, il y a peut-être une pile. Il pense qu'il y aurait peut-être tué la police. Ah bon? Jusque-là? Ça fait longtemps qu'il voulait tuer la police. Pero, il voulait tuer que Cook. Ah ben, du coup, Cook, il est plus là. De toute façon, Cook, il est mort en plus. Cook, le coucou, le coucou. Stache, tache. Tache. Cook, le coucou, le coucou. Stache, tache. Cook, le coucou, le coucou. Stache, tache. Karuka, chiqueta. Kure, coucou, coucou. Stache, tache.
Non, et comprenons-nous. Il faut qu'on prenne un métier pour l'emploi. Ça veut dire que la ville, elle peut nous filer des... Mais c'est pas du tout là où on va pour l'emploi, il y a rien. Attends, c'est là, non? Je sais pas. Ah, il est trouvé. 80-72. Ah, 72. Voilà, c'est pas grave. Hop. Ok, yes. Et... Oh, une moto! Bouge pas, y aller. Non! Ah, là, c'est un problème. Ah, c'est son problème. Il est sous-bloqué dans la voiture, non? Et moi, j'ai... Ah! Rien de très grave, un petit crash. Pas de panique, mesdames et messieurs. Don't panique, ça arrive, c'est 5M. Lol. Bon, vous passez de bonne soirée ou pas? Est-ce que vous aimez cette saison 2 de Daniel? De Miguel, est-ce que vous aimez cette nouveauté? Est-ce que ça vous plaît? Pas de moto, bah tant pis, c'est pas grave. Un crash, ça arrive, un crash 5M, c'est régulier. Oui, ça vous plaît? Oui. Bon, bah impeccable, écoutez. Si ça vous plaît, c'est incroyable. Tu nous fumes, bah tant mieux. Tant mieux, parce que ça, on va rentrer vraiment sur le sérieux CRP. Je vous avais dit qu'on peut quand même se marrer sur le sérieux CRP, hein. On peut quand même rigoler sur le sérieux CRP. Ce sera totalement différent, mais on a tout à faire. Ça qui va être génial. Parce que là, plus bas de l'échelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Faut tout qu'on monte. Notre groupe criminel, alors je sais pas si on s'appellera toujours les Vagos en fait, mais faut tout qu'on monte. Notre groupe criminel, les gens qui vont travailler avec nous, notre business, qu'on se fasse remarquer. Alors là, comment vous dire qu'on a plusieurs semaines, voire mois de boulot. Donc c'est bien, ça va être génial. Je suis très content d'avoir Tartine dans l'aventure. Donc je suis vraiment, vraiment content. En plus, on fait ça sur mon serveur, donc pff, comment te dire que c'est cool. Bon, les flics, par contre, ils en peuvent déjà plus de nous. Hein. Vous avez vu, on les voyait tendus, mais ils sont pas si tendus que ça, les flics. Vous voyez, par exemple, j'ai pas été contrôlé à tort gratuitement, tu vois ce que je veux dire? Ah, on est là, putain. Oh, c'est la merde. On n'a pas été contrôlé à tort. Tu vois, ils auraient très bien pu me fouiller. Vous voyez qu'ils sont pas si tendus que ça, les flics, tant mieux. Je suis content. Voilà. Bon, bah, si ça vous plaît, tant mieux. Je vois que vous êtes toujours aussi nombreux, c'est cool. Et pourtant, on n'est pas sur RPZ, donc c'est vraiment cool. Merci à tous d'être là. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis je suis content que vous continuiez d'aimer Miguel. Alors j'ai un truc que je vous ai pas encore dit. J'ai été contacté pour deux choses en cours et j'aimerais votre avis. Ah, je vais faire un poll. Je vais faire un poll parce que j'ai vraiment besoin de votre avis, parce que c'est un projet qui est intéressant, mais avant de s'y mettre dedans, faut pas déconner. Hop, je vous mets ça. Je vous mets ça. En fait, je vous mets le sondage, vous pouvez le mettre. J'ai été contacté pour faire deux choses. La première, c'est un t-shirt Miguel, des t-shirts Miguel. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. La deuxième, on m'a été contacté par une maison d'édition pour faire une BD Miguel. Et en fait, ma question qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans réellement? Voilà, j'ai rien prévu encore. Voilà, j'étudie des projets. Mais on m'a parlé de t-shirt Miguel. Voilà, t-shirt Miguel, Vagos ou machin bidule. Mais ce serait plus Miguel que Vagos, je pense. Donc d'envisager des fringues. Voilà, bon, première chose. Une BD. Donc j'ai été contacté pour faire une BD. J'en ai parlé aussi à David Daco qui fait les images de Miguel actuellement. Qui lui, par contre, n'est pas disponible parce qu'il est déjà sur 5 BD différentes. Ce qui me fait vraiment chier. Donc c'est en discussion. Voilà. Donc ma question c'était qu'est-ce qui vous tente ou qui vous tente pas. Voilà. Donc je vous ai mis tout. Une BD, un t-shirt, les deux ou non merci. Alors ceux qui mettent non merci, il n'y a aucun souci. Hein. C'est même l'inverse. C'est important parce que ça veut dire que ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas obligé d'être intéressé. Mais j'aimerais savoir un petit peu. Voilà. Moi, je trouve que c'est quoi 2816 à faire une BD, t-shirt un peu moins et les deux plus de 3000 personnes. D'accord, ok, c'est intéressant. Voilà, ça, juste pour savoir un petit peu, ça me permet d'avoir une ambiance, machin. Bon, voilà. Donc c'est cool. Non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bon, les aventures de Miguel vont continuer de toute façon. Hein. C'est... je sais pas où je vais, mais je sais pas comment on va récupérer un gang. Hein. C'est ça qui va être très drôle. Hein. Je sais pas où on va, mais ça va être le bordel. Hein. C'est vraiment le bordel. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Est-ce que c'est Ellie? T'es où? Envoyer ma position. Je vais attendre qu'il vienne me chercher, moi. Rien à foutre. Allô? Si, est-ce... Ellie? Mais je suis là. Il y a un peu de problème des visages, hein. Ça c'est un vrai problème. Bah oui, mais je sais pas. Hein. Là, je sais pas. Ma pauvre petite voiture. On verra, mais s'il y a une BD, dans ce cas-là, je verrai pour la faire avec Ellie. On verra. Bref. T'as un plan en tête? Pas du tout. Tartine ne live pas. Non, elle a eu des soucis de co. Donc là, elle live pas. On va essayer de réparer ça. Je pense que... Bon. On a pour ta voiture. Ah. Faut que tu fasses une demande pour ta voiture ou faut qu'on aille voir si elle est toujours là-bas? On va aller voir d'abord si elle est là-bas. Si elle n'est pas là-bas, faudra que tu fasses une demande. Et que le compagne, faut que tu fasses des intranets. Ok.
C'est ça, c'est un truc, un intranet. Putain, c'est chelou. Ils disent, alors ils t'expliquent. T'as des Yahoo ou t'as pas des Yahoo? C'est en fait sur ton téléphone. Ouais. T'as une possibilité, t'as un intranet qui permet de gérer les possibilités. Donc en gros, c'est une différente case qui était dit sur tes véhicules, tes images et tout ça. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, il n'a pas tout compris, mais voilà, t'as toutes les possibilités de ce que tu fais. Et dedans, toi, tes véhicules, et avec les véhicules, tu pourras dire, bah, il a perdu mon véhicule, okay. Est-ce que vous l'avez retrouvé à la comment ça s'appelle? À la... merde, à la... à la fourrière! Voilà, à la fourrière, voilà. Yep. Ok, ok. On vole une voiture? Oui. Mais ça, quand on veut voler une voiture, il n'y en a aucune. C'est fou, ça. Yata. Faut vraiment qu'on achète un véhicule intéressant. Ouais. Aïe, mais pourquoi? Bonjour. Ellie est atteint! Oh non. Oh non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ellie! Oh putain, c'est pas possible. Il appelle les médecins! Oh là 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 là. Oh là 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 là. Faut une coma. Et son OMS, ça doit être ça. OMS. Et. Mais Hermana. Ah, c'est fait casser la gueule. C'est la vérité, hein. C'est fait casser la gueule. Oh, putain, c'est pas possible. Tu vois une voiture, tout te fait péter la gueule par les propriétaires. Oh, une camion. Oh là là, oh, ça va être une boucherie. Oh, les jambes. Oh, t'es pas prêt de marcher. Il peut même pas te déplacer. C'est vrai, tout. Oh là là, ils sont pas sûrs que tu puisses... que tu puisses remarcher un jour. Quel enfer. Il va te porter. Il va te porter. Voilà. Impeccable. Comme ça, tu risques plus rien. Bon, t'as plus des yams, mais... Première photo. Ça, c'est bon, ça. T'as pas d'où la main avant, où tu faisais pas casser la gueule comme ça. C'est vrai qu'avoir des discussions avec toi, c'est compliqué quand t'es dans le coma. Ils sont même pas sûrs qu'un médecin va venir. En tout cas, tout est pour la même. T'as l'air, t'es un peu débile. Là, t'es plus débile, mais t'es ralenti. Faut y t'entraîner. Il va t'entraîner, on va attraper une personne. Sinon, il peut te marier. Il hésite. Il va te marier avec un inconnu. Ou un policier. Ça permettra de faire une enveloppe. Il y a plein de plans, Ellie. Hein. Et les meilleurs plans, c'est quand t'es dans le coma.
Quand t'es pas bien comme ça, c'est là où il y a les meilleurs plans qu'il y a, mais vous. Oh non, je crois que c'est l'autre en costard. Ah, bingo. Bonsoir. Bonsoir. Reculez-vous, s'il vous plaît. Elle s'est fait casser la gueule. Par qui? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, la police. 6, c'est la merde. 7, la police aussi. 9, allez. Y'a pas moyen de faire deux pas. Allez, combien de sucre, s'il vous plaît? 3 sucres. Allez. Un café, 3 sucres. Et l'addition, c'est pour moi, hein. Allez, ça va aller, mademoiselle? Allez, on prend le temps, on se relève tout doucement et délicatement. Tenez, ça, le café, c'est pour moi, chose promise, chose due. Et je vous fais un petit pansement, vous êtes cogné tout doucement. Voilà, bougez pas. Bougez pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Hop, bonjour, monsieur. Oui, voilà. Ah, madame va bien? Ouais, c'est fait. C'est ça? Non, non, c'est fait casser la gueule, s'il vous plaît. Ah! Ça va vite, ça! Une agression? Et c'est un bonhomme qui est venu, il y a une altercation. Ouais. Ellie James, hein, c'est bien et ça. Il lui a pété la gueule, le mec il s'est relevé, il lui a pété les dents. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre numéro de téléphone? D'accord, est-ce que vous savez pas vers où il est parti? Votre 6917 pour votre dossier médical, super. Par là-bas, par l'ouest là-bas. Et quand même que c'était lui, là, avec la veste rouge. Ah, bah, voilà. Vous pensez que c'était un vestiaire ou je peux faire autre chose pour vous, ça va aller. Est-ce que... Si vous vous sentez pas bien, vous n'hésitez pas à passer à l'hôpital si vous souhaitez sinon, pour le véhicule devant. Si. Non, on était à pied, nous, on n'a pas le dos de notre véhicule. C'est votre ami, c'est votre compagnon. D'accord. Donc, je vais faire un petit appel pour le Venise. C'est votre ami. Et je vais voir ça. Je vais voir pour monsieur avec la chemise. Tenez, je vous donne aussi un petit peu de vitamine si vous avez besoin pour vous remonter. Voilà. Voilà. Je peux faire autre chose pour vous, ma fille? Merde. Ça va aller, monsieur? Oui, vous parlez toujours très fort, mais ça va aller. Ah, pardon, excusez-moi. Hein, il vous entend très fort. Voilà. Je vous présente mes excuses, mon fils. Bonne soirée. Mais pourquoi vous m'appelez mon fils? Ah, j'appelle tout le monde mon fils. Je suis le révérend de la ville. Vous connaissez le pasteur William? Ah, pas du tout, je suis le pasteur d'Avros. Oh, il y a un peu plus, C'est pour les mêmes. Et est-ce que vous pouvez avoir un pansement, une petite... Il est pris un coup de volant. Venez, sur le côté. Ça va, Ellie? Voilà. Oui, oui, ça va. J'ai l'impression que quelqu'un t'a yopé, non? T'es sûr que le bonhomme, après, t'as pas baissé la culotte? Ah, un mec qui court. Allez, un petit pansement. Un deuxième mec qui court. Et évidemment, un petit café, ça fait du bien aussi pour se remonter. Merci, mon père. Une bonne soirée, mon fils. Au revoir. C'est lui. Allez, viens. C'est lui, il est compliqué. Hein. Il est prêt, mais il est chelou. Attends. Non, 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 mauvaise habitude. Non, 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 non. Non, non, non. Mauvaise voiture, mauvaise voiture. Ferme la porte. Voilà. Mauvaise voiture. Attends, c'est planté des voitures, excusez-nous. Oui, oui. Pardon. Viens, Ellie, c'est par là-bas. Ça va, passe devant parce que là t'as parlé bien. Ah, vous êtes là, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai perdu mes réflexes. Oui, monsieur. Moi, il pense que t'es devenu. Ah, c'est pour nous, oui? Oui. Oui, la personne en rouge, non, c'était pas elle apparemment. Ou voilà. Elle a dit qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça. Et qu'elle n'avait pas de traces de coups, de blessures ou. Voilà. D'accord, ok, pas de soucis. Merci à vous, bon courage. Bon, prudence. Alors on sait qu'on a des soucis sur le serveur de Visage qui sont en cours de résolution. Voilà. Visage et les cheveux, c'est un problème de joueurs, de nombre de joueurs. On sait d'où ça vient. L'équipe technique travaille dessus, ça arrivera très prochainement. Et comme il y a des mages quasiment toutes les semaines, pas de panique. Et moi, t'es sûr qu'il t'a pété la gueule ou il y a eu un problème et hop, culotte? Ah non, non, il m'a vraiment pété la gueule. Vas-y, marche pour le voir. T'es comme ma soeur, mais là, il t'a sûr que c'est un problème qui est autre que les bagarres, non? Et donc, on n'a pas de voiture, on est à pied, il y a encore plein de drogue sous le mois, on n'a pas gagné une copèque. Putain, on est foutu. Il va te dire qu'on est foutu. Ouais, et il a failli voler une voiture de police. Et à un moment donné, il me suis dit non, 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 Miguel.
Miguel, si tu commences comme ça, la prison fédérale est pour toi. Mais par contre, il n'y a pas envie de travailler chez Gopostoul, moi, si? Non. Peut-être qu'il file du pognon, non? Il y a peut-être une... Il y a peut-être un salaire au... Tu sais, au Caldor, non? Ouais, possible, je sais pas. Avant, on n'était pas payé au Caldor? Si, c'est pour ça qu'on avait un métier. On se faisait $500 au Caldor, rien foutre. Puis la police, elle n'a pas l'air de rigoler. C'est ça qui m'ennuie. C'est qu'avant, c'était un peu des rigolos. Ah, c'est bizarre. La police, avant, c'était des rigolos. Et maintenant, c'est devenu des liens sérieux. Et les Vagos, c'était un gros groupe. Et c'est devenu des rigolos. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ils ont échangé leur place. On a échangé nos mamans. Oui. Oui. C'est un peu pareil, oui. Oui, on peut plus. Faut vraiment qu'on achète un véhicule. C'est où qu'on passe les permis? C'est vers là-bas. Puis merde! Arrêtez-vous! Bon, il t'explique. Il y a vraiment la flemme, ça me saoule, il est pam, pokopek. Il est en colère. Il n'y a pas de phoque. Coulou pas vrai, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? C'est un tour! Ouais, c'est un tour. Il va devenir fou. Il va devenir fou. Donc, Pôle emploi, on a dit. Ouais, Pôle emploi. Après les permis. D'abord, Pôle emploi. Il y a un peu plus. Oh, ma voiture, elle est là-bas. Une Toyota. Oh, j'avais pas vu la couleur de la voiture. Oh non. Mais non. Mais pas deux fois. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. Mais... Bonsoir, zerochat.com. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai jamais vu ça. C'est bizarre. C'est Tartine qui me porte malheur. On est d'accord que c'est Tartine qui me porte malheur ou jeudi? J'ai jamais eu autant de bugs qu'aujourd'hui. Si, jeudi dernier, j'ai pas arrêté. Il y a ça aussi. C'est la Prius, elle est maudite. Quel emmerdement. T'as plus d'excuses, on est vendredi. C'est bon, ça va marcher. On est là. Je vais y arriver. Alors moi, elle doit pas être loin. Je vais attendre Ellie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est elle qui me porte la poisse, tu vois. C'est la Toyota maudite. Toyota de merde. Attendez, je me récupère à boire pendant ce temps-là parce que moi, je veux bien, mais à un moment donné, j'arrête pas de parler. Faut que je buve un coup. C'est bon, on est vendredi. Bah oui. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce téléphone, c'est... tu vois qui t'a appelé ou qui toi t'a appelé. Parce que t'es, quand t'es pas là, etc., ça marche quand même. Donc ça, c'est cool. Ouais, vous me dites pour aller... Un répondeur, ça serait possible. C'est chiant à faire, les répondeurs. Autant envoyer un SMS, c'est ce que je veux dire.
sont tous les persos est fort comme ceux que là, vous croisez. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Six ans de coma, we go to iPhone, tellement RP, mais tellement. Je peux passer tout le monde, vous voyez qu'il y a personne, on va passer plein de monde. C'est juste que j'ai paumé Tartine encore. Ah bah là, la Prius. Ah pas du tout, c'est pas la Prius ça. Mais reviens, putain c'est la Prius. J'en peux plus, je crois que c'est la Prius, c'est un pinch qui nous a déposé une Prius, on est d'accord ou quoi? On est d'accord qu'il y a un pinch qui vient de nous déposer une Prius. Donc il y a deux possibilités. Ou c'est vraiment le jour de la merde, ou un de mes copains admin s'est dit « Ah les pauvres, ça fait deux fois qu'ils bug place des cubes, je leur ramène la Prius. » Mais je pense pas, parce que regarde le pinch, comment il marche comme un pinch. Je pense juste qu'il y a un pinch qui m'a déposé une Prius. On en est là. Un admin 100%, mais je sais pas, moi je sais plus où je suis. Je vais appeler Ellie. Je vais appeler, moi je... Ça va être compliqué là, hein. Oui. Si, il y a la Toyota Prius ou un bonhomme ensanglanté qui l'a ramené. Ah. T'es où? Je suis... Ah, c'est bon, je te vois. Il sous pas seul, c'est la Prius, pero... Il pense que c'est ta voiture. Ah si, c'est ma voiture. C'est la bonne plaque? Attends, comment on vérifie ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ta voiture. C'est bon. Bon, si c'est moi qui conduis, peut-être c'est bon. Ok. Il veut devenir comme Inigo, le transporteur. Oh, il n'y a pas le permis. Attention. Dernier essai. Rien à foutre. YOLO, ça passe. Ça passe. Ah, c'était ça là, passe. C'était là. Oh, c'est vraiment de la merde de faire un mal à Prius. C'est de la merde. Oh là, quelle merde, quelle merde, quelle merde. Et par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus une amende. Il est cru voir une montant, mais il sous pas sous. T'as vu quoi? $250. Oh putain. Qu'est-ce qu'on prend? Assyrie, Go Postal ou Journal? C'est quoi le mieux? Bah, on n'a pas eu aucune idée. Oh non, pas encore! Ah non, c'est bon, c'est pas pour nous. Il est dire, bon. C'est pas. Et quoi que c'est pour la moto en sens inverse? Ah, possible. Journal? Journal, ouais, ce que je me disais. Allez hop, au cas où, il sait pas comment ça fonctionne, il met Journal. Changement d'entreprise, ok. On va passer les permis ou pas? Moi j'ai le permis de voiture. Ah, ouais, tu voulais pas qu'on passe un permis moto pour avoir une moto? Ouais, si, je vais passer le permis. Je pense que c'est le plus simple pour vendre de la drogue. Ah merde. Tu l'as fermé? Oui. Là, tu l'as ouvert? C'est bon. Ok, faut juste regarder combien ça coûte le permis moto. Je sais pas. Et c'est où les permis? Je sais pas. C'est. Ah, il y a une voilà! C'est bon. Oui, c'est ça. C'est galé sur la place handicapée. Bah oui. Attends, il fait semblant. Nyeh. Ça passe, non? Ça passe, ça passe. C'est bon, ça passe. Tu dis, c'est Miguel, il est pas comme les autres. Alors. Combien ça coûte ton permis moto? $500. Wouah, mais ça fait mal au cul. Il y a $500. Attends, il y a portefeuille. Moi, j'ai $500 aussi. Moi aussi. On y va? Ouais. 1, 2, 3, c'est parti! Faut pas un casque? Ouais, non, c'est bon. Et à la foutre, on est des fous! Waouh! Oh! Y'a faute moule! Ah! J'ai trouvé l'imitateur, mais quoi, ça marche pas! Ah! On pourrait être une gang à moto, on serait les motos.
Les motos. Les motos, 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 motos. Non, ils cherchent des noms. Sinon, on achète un vélo, on serait les vélos. Vegos. Les véganes. Viens, ça s'appelle les véganes et on mange plus de viande. Putain, c'est pas vrai. J'ai tellement envie d'accélérer comme un conno, mais j'ai peur de louper les permis. Ouais, pareil. On va y aller tranquillou, il nous faut ce permis de merde. Ouais. Mais la moto, elle est jaune. Ouais, il y a du jaune. Si, ma moto, elle est jaune. Ouais. T'as essayé un truc? Non, c'est... Oh non, n'essaye pas de mettre les régulateurs de vitesse. Ça marche pas. C'est bien foutu, l'examinateur, c'est pas une conne. Oh non, c'est bon? Il croit que c'est bon. Ah, non! Il était recalé. Il semblerait que l'examinateur il me dit qu'une poteau c'est pas bonne. Non, le poteau je crois que c'est pas bon, ouais. Si, il arrive. Bah, continue. Il était rattrapé okay. Sur la route. On s'appelle, on s'épile, on se fait une touffe. Ok. Il arrive. Mon Dieu, mesdames et messieurs. Où va-t-on, quoi? Ce permis va pas. On va tenter de leur passer une deuxième fois, quand même. Putain, j'ai pris un poteau, quoi. Et bam, 500 balles, déjà qu'on n'avait pas de thunes. Mais quelle bande de nœuds. Là, c'est vraiment ce qui est génial, ce qui me plaît, c'est qu'on recommence vraiment. Hein. Ce côté reprendre à zéro m'éclate bien, tu vois ce que je veux dire. Merci, frérot, plus 38k points. Ah, Jinta, t'avais voté contre moi, le frérot. Ah, putain, le bâtard. Mais vraiment, le bâtard. Moi, j'aime bien ce côté où... Quand vous allez arriver sur un serveur RP, il y aura ce côté où RPZ a ce côté très fun. Et quand vous arrivez sur un serveur, vous arrivez de nulle part, en fait. Donc là, on a le background d'être des anciens tralala, mais tout le monde s'en bat les couilles, quoi. En mode, c'est bien, mon garçon. Ils sont là depuis tout à l'heure. Ah, c'est cool. Ah, super, mon gars. Salut. Voilà. Donc, non, c'est ça. C'est que génial, en fait. C'est qu'on a tout à faire, tout à créer. Est-ce que Ellie et Miguel resteront ensemble? Est-ce qu'ils feront la même chose? Est-ce qu'ils auront le même groupe? Comment il va s'appeler le groupe? Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est important, c'est ça qui est génial, quoi. Kim dans l'histoire? Pour l'instant, il n'y a pas de Kim dans l'histoire. Derrière, j'ai fermé la porte à personne. On verra. On verra, après, le RP demande du temps. Vous êtes beaucoup à demander si Tartine arrêtera Feili. Je crois pas qu'elle arrête Feili, je crois qu'elle va faire les deux. Mais ça pose aucun problème, en fait. Donc c'est ça qui est cool, quoi. Il y en a qui m'envoient carrément des screens, ils ont gagné style 100 000 points grâce à moi. Merci, ça me fait plaisir. Est-ce qu'ils auront des enfants? Non, mais c'est ça qui est difficile, passer d'un personnage qui a une histoire sur 15 jours, qui est une histoire en plus accélérée, à un personnage, vous voyez, qui est dans la merde. Après, vous avez l'air de vous amuser tout autant, donc c'est ça que je trouve cool, en fait. C'est que là, vous êtes en mode, faites un super duo avec Tartine. Ah, je trouve aussi, je suis content, je suis vraiment content. Voilà, un gang de motos serait super. On n'a rien décidé pour l'instant, je vous avoue que, pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que voilà, on a notre background, on est à la base des Vagos. Bon, là, les Vagos, c'est d'autres personnes, qu'est-ce qu'on va faire? On sait pas encore. Par contre, il n'y a rien qui nous est filé. Tu vois ce que je veux dire? On nous dit pas, hey, tiens, t'as ça, ça, ça et ça. On nous dit pas, tu te démerdes. Donc là, on a trouvé des gens qui nous filent un peu de boulot. Voilà, c'est tout. Cette folie rappelle Balibalo. Pourquoi Balibalo? Mais pourquoi Balibalo? Pourquoi pas les Red Chili Vagos? Red Chili Vagos. Le perso de Miguel est trop Vagos. Le perso de Miguel, il est Miguel. Vous disiez il y a quelques jours. Miguel, en dehors d'RPZ, pour certains disait c'est mort, ça n'arrivera jamais, ce n'est pas possible. Et là, ce soir, vous dites bah en fait, Miguel, le personnage, il en fait ce qu'il évolue. Donc, moi, je me laisse aussi bercer sur ce qu'on aura comme possibilité. Peut-être qu'on reprendra les Vagos, peut-être qu'on aura un autre groupe, un autre quartier, un autre tout. Tu vois ce que je veux dire? Les Miguelos, peut-être. Non, mais je sais pas. Je sais pas de voilà. Vous êtes combien sur le serveur? Je crois qu'il y a 90 personnes là actuellement. Toujours en non-stop et sur la waitlist actuellement elle est pleine mais on en ouvre régulièrement, on espère ouvrir toujours plus, aller toujours plus loin. Ça prend du temps en termes de dev, vous avez vu que là on a des petits soucis sur les visages, ce qui en soi est pas très très grave, ça changera, on va travailler dessus. Donc voilà, là il est, ce qui est cool c'est qu'il est,
il est minuit ensemble, on s'amuse toujours autant. Tu vois ce que je veux dire ? Je vous avais dit que je changerais pas, je continuerai à m'amuser. Vous voyez que le personnage de Miguel peut aller s'amuser sur un serveur standard. 80 personnes co, tu vois, minuit à 80 personnes. Il y a souvent des places laissées tous les jours. Tous les jours, il y a des places qui sont laissées. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir qu'au moins une grosse partie d'entre vous vienne. Enfin, je peux pas dire une grosse partie d'entre vous. Vous êtes 20 000 à minuit. Que vous soyez venu voir un petit peu comment ça se passe aussi sur un serveur. Sur un serveur serious, quoi. C'est cool. On va continuer de se marrer. Bon, là, on fait le permis. Merci. J'ai pas dit merci, mais merci à Cryptic qui vient d'offrir 5 subs à la communauté. Merci à tous ceux qui ont fait des subs. Là, ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. C'est un serveur waitlist. Oui, oui. Et je suis très très fier de toute l'équipe de dev qui est sur ce serveur, qui cravache et qui ont des idées de ouf, toujours et encore plus. En plus de savoir que vous êtes 20 000 à regarder, ça doit les motiver. Peut-être les stresser un petit peu, ce que je peux comprendre, mais les motiver, bien sûr. Quand d'un coup, t'as plein de gens qui sont intéressés, forcément que ça motive aussi. Ça stresse, mais ça motive aussi. Vous avez tous les liens si ça vous intéresse, 21 Jump Click, juste en dessous du lecteur, il y a le logo, et puis juste avant. Greg Furious qu'on voit 10 subs, merci à toi Greg Furious, je vous mets le lien aussi dans le chat. Merci à toi Greg Furious, voilà. Vous avez même un site pour suivre les lives, hein. Si vous voulez découvrir d'autres casters de 21 Jump Click, vous aurez tout, hein. Vous avez des gens qui débutent, des gens qui machin, vous avez tout un live, tout un site qui existe depuis un petit bout de temps. Je vous ai mis le lien, et 21jumplive.alexclick.tv je crois. Non ! Oh putain ! Oui ? Il y a eu un petit problème ? Oh non, t'as encore raté. Il était un peu déconcentré. Il loue un article en même temps. Il voulait lire Harry Potter en même temps qu'il conduit. Et c'est pas... T'as fini, toi ? Non, je suis dans le nord, là. Je sais pas vraiment où je suis. Bon, bah, il arrive. Il recommence. Ok. Ok. Bon courage. Bon, on arrête. Je vous dis, mais on arrête, quoi. J'aurais dû parier. Mais ouais, mais... Mais l'enfer, quoi. Mais l'enfer sur Terre, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait en sens inverse, lui ? Mais c'est pas possible ! C'est devenu une ville de dégénérés ! On est à 3 passages de permis moto, on est d'accord, quoi. 6 pochons de weed, mais bande d'enculés, quoi. La moto verte, en plus elle est verte, elle va tellement me porter malheur, cette moto de mort. Oh là là, j'ai encore des sous au cas où. Portefeuille, moi 555, quoi. Oh l'enfer. Et tous les modos s'amusent depuis tout à l'heure en mode prédiction, quoi. Tout va bien. C'est vraiment des raclures, vous pariez sur la tristesse des gens. Parce que j'ai un message important, je le lis, je comprends rien ce message important. Donc on a qu'à dire que faut arrêter de m'arrobaser sur mon propre Discord, sinon je risque de casser des fions. J'espère que ce message est bien parti. Je crois en toi, Miguel. Moi je crois en moi il y a longtemps, mais je crois plus trop en moi. Je fais attention maintenant. Enfin, je fais attention, je vais encore, faut que je fasse gaffe là. Vraiment, faut que je fasse gaffe. Truc de fou quoi. La troisième, c'est la bonne, vous êtes en train de prédire ça, mais quelle bande de réacteurs. Votez, c'est la bonne, c'est la bonne. Los Pietanos, on va finir à pied, hein. À pied. Les permis moto, c'est pas le plus compliqué en plus, hein. Fait chier, quoi. La waitlist, comment ça fonctionne ? Bah, sur le Discord, t'as tout, hein, va voir. Mais tout est expliqué. D'abord, tu links ton compte pour pouvoir jouer. Et ensuite, si jamais une place de waitlist se libère, tu fais waitlist et tu es inscrit. Après, tu dois avoir lu le règlement avant et être en phase. Et voilà, tu vas jouer. Et si tout va bien, pas de soucis, t'évolues. Si tu fais de la merde, tu es banni. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, voilà. 20k la victoire. Ouais, non, mais attends, on va y aller, on va se concentrer 2 minutes. Hein. On va se concentrer 2 minutes parce que ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Minuit 23, il fait de la merde, elle n'arrive pas à arrêter. Arrête de nous lire. Mais arrête de m'écrire aussi ! Plus tu m'écris, plus je te lis ! Il est là, le cercle vicieux ! Non, non, je vais regarder tranquillou là. Voilà, on va y aller tranquillou. Je crois en Miguel, moi aussi, je vais conduire comme un papy. C'est quoi ? Rien à foutre sur autoroute à 80. Je regarde même plus la route, je regarde que le chiffre. J'ai bloqué là-dessus en mode pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi ? Miguel ? Parle-moi, Miguel ! Si, il y a des balles. Ouais, je suis devenu moitié schizophrène. Je parle à Miguel maintenant. C'est un truc de ouf.
Maintenant, je parle à Miguel un peu, tu sais, un peu chelou. Mais dis donc, Miguel, tu vas pas faire ça? Si, il va faire ça, ça va être un truc de fou. Il y a une Jiffy. Une Jiffy, Miguel? Ça, c'est une idée de génie, non? C'est une idée de génie. Enfin, une personne qui sait. Il y a une espèce, tu vois ce que je veux dire? Lucie, c'est toi. Non, mais je te dis, je pète des plombs maintenant. Miguel fait partie intégrante de moi. Je parle à ma femme avec Miguel. Je propose des trucs un peu cochons à Miguel. Ma femme me regarde et me fait, c'est non. C'est bizarre, je comprends pas. Question que je suis. L'autre jour à mes enfants, je leur ai parlé en Miguel. Mon fils m'a pas reconnu, il a flippé, il m'a dit mais qu'est-ce qu'il fait? Concentre-toi, arrête d'écrire. Alex, arrête. Non, c'est vous qui arrêtez. Oh, dis donc, ouais. Je sais quand même, qu'est-ce que je dis, merde. Le hérisson. Ah, le fameux hérisson. Le fameux buisson. Le fameux buisson. J'ai tellement hâte de vous montrer plein de mécaniques différentes. C'est vraiment ça. Il y a tellement de mécaniques que je voudrais vous montrer. Faire découvrir sur un serveur RP Serious. Des mécaniques de discussion. Vous allez voir qu'on n'a pas encore... On a rencontré personne là. Hein. On n'a pas rencontré les chefs d'entreprise. Parce que chaque entreprise a un patron. On n'a pas rencontré le capitaine. Là, on est vraiment au tout début. Où on connaît personne. Donc en fait, là, on est deux clampins. Tout seul dans la ville. On a... Notre seul contact, c'est Monsieur Smoke des Vagos. Tom Neal et nous a filé de la weed à vendre. Voilà. C'est tout. Voilà le début. C'est la première fois que je win les prédictions et là c'est facile à win. Et t'as prédit quoi là? Pour savoir. Putain, il dure des plombes le truc. Et McGregor. Alors chouette madame McGregor. Je connais la joueuse. Bah, j'avais un ancien perso donc je connais un peu les gens. Ce qui est bien c'est que les gens n'ont pas d'a priori, ni dans un sens ni dans l'autre. Moi j'aime bien. Les gens ils rencontrent Miguel, ils jouent Miguel, point. C'est vraiment chouette. Je croyais 100k que tu vas perdre. Chais, je vais te faire perdre. Perdre 100k gros. Juste pour vous emmerder là, vous avez tous voté maintenant, c'était fait exprès hein. J'ai vu ça avec un bookmaker et tout. Mes potes, ils ont tous voté que j'allais y arriver pendant que vous avez voté qu'il va perdre et eux, ils vont tous gagner de ouf. Focus, putain, j'ai voté pour que t'allais y arriver. Chut, chut, chut. Je vous ai dit que je roulais à 50. Deux fois j'écris en ta conduite. Ouais ouais moi aussi, je crois souvent en moi. Puis après ça se passe pas bien. Regarde la route. Mais quoi? Je regarde quand même mon chat. Merde, c'est une question de respect. Je sais que vous en pouvez plus de moi des fois. Vous êtes là en mode mais j'en peux plus de lui. Il n'en peut plus de lui. Concentre-toi sur cette route. Cette route sauvage du nord. Elle plaît aussi la 68. Si tu veux nous respecter, passe ton permis. Putain, mais qu'est-ce que c'est que toute cette... Quel enfer. Quel enfer. Je veux que ça soit fini. Il y a une jauge d'essence. Au niveau essence, on est bien. C'est pas le souci. C'est si long. Ah, les permis sur tous les serveurs RP. C'est toujours très long. Ça te permet de se sensibiliser au fait de pas faire n'importe quoi en véhicule et de pas perdre ton permis. Parce que si tu sais que si tu perds ton permis, il faut le repasser. Et tu sais à quel point c'est long et chiant. C'est fait exprès. Ça coûte cher. En RP et c'est compliqué et en plus il flotte. Le but c'est vraiment de te dire bah tu peux pas faire le Golio quoi. Si la police t'attrape et qu'elle t'enlève ton permis bah mon gars ça coûte cher IRL aussi hein. D'accord, d'accord. Mais c'est d'essayer de se voilà. Et là le serveur crash. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu sais qu'est-ce que tu fais que dans ta vie tu vas t'as décidé de me porter la Shkumun? Tu te dis tiens je vais lui porter la guigne. Orage égale mort RP. Non non. Chez nous, orage égale orage.
On n'est plus jeudi tranquille. Tu sais, les deux autres essais, je les ai testés le vendredi. Hein. Alors vous avez vu, pas de permis, tu peux pas acheter le véhicule adéquat. Hein. T'as l'air con. L'imitateur marche vraiment pas. Non, il est désactivé pendant le permis. C'est fait exprès. Je vous assure que quand la police t'enlève ton permis, t'as le seum. J'ai cru que j'allais me prendre un cormoran et que ça allait me niquer. Non, mais non, la fin est encore loin. Ah, j'aurais mieux fait de rouler à 40 dès le début. Hein. Ah, le permis va m'avoir donné mal à la tête. J'appellerai bien Ellie pour savoir où elle en est, mais. Qu'est-ce que je peux faire dans le temps? Si, t'as là aussi? Bah ouais, je t'attends. Il arrive où à 30? Non, non, c'est pas là. Pas là, paf, merde. À 60, calme-toi. Il m'excite là, il m'excite, c'est pas ce qu'il fait, calme-toi, Miguel. C'est bon. En plus, tu passes tout dans le nord et tout. Hein. Non, mais c'est bon, il arrive en ville là. Ah, ok, oh, bah, ça va, t'as été rapide. Pas rapide, non. Bon, il a loupé deux fois, mais ok. Si Kim avait été là, on aurait pu prendre son temps, mais il est pas là. Il est joué avec mon Chupacabra. Ouais, je veux pas savoir ce que tu fais avec Kim. C'est vrai que tout. Bah, il fait rien parce qu'elle est poula. Ah oui, c'est vrai. Il aurait tellement voulu mettre ma. Il croise beaucoup des gens avec des camions Go Postal. Ouais. Il me dit peut-être, c'est peut-être des mains qu'on peut recruter. Ouais, Tu sais, si on fait les vagos, là, ils nous donnent des weed. Et nous, ouais. On les redonne à d'autres. Tu vois qu'on paye. Ouais. On dit non. Je sais pas, hein. Il pose une question, pero... Parce mais là, que sinon... J'ai un mec à l'auto-école et il a pas de thune pour passer son permis moto et tout, et donc... Et les trucs de Pôle emploi, ça l'intéresse pas. Il veut faire quoi? Bah, je vais pas demander. Oh bah, il arrive. On va voir ce qu'il veut faire. Ok. Il sent qu'on est déjà en train de remonter un business. On voit deux pauvres pecnos faire. Allez, il vient toi bosser pour moi, tu fermes ta gueule. C'est bien ça, on est pas mal. C'est une bonne idée. Allez, il arrive. Ouais. Ok. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je reçois tellement en fait tous les jours de messages d'amour là que vous m'envoyez en mode ça fait tellement plaisir. P
putain, mais on voit rien en plus sous cette flotte de merde. Là, ça glisse. Monsieur Grant, les affaires reprennent. Là, faut que je vous publie le planning, mais en grosso merdo, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 13h, 18h, 20h, plus plus. Voilà. Et mercredi soir. Voilà. Il y aura quelques soirs de repos quand même de temps en temps, dès que je peux pas. Voilà. Mais vous allez en avoir. Objectif, retrouver le 6-6. Je sais pas encore. Pour l'instant, objectif, sortir de la merde, parce que là, c'est la merde financière. Là, c'est la chiasse à Dallas. Hein. Comment te dire que c'est la... C'est l'enfer sur Terre. Ça, plus la flotte de partout, là. Pourquoi Miguel ne deviendrait pas maire de la ville? Mais Miguel peut tout faire, en fait, à partir de maintenant. On peut faire ce qu'on veut. Mais avec Ellie, on reste Miguel et Ellie et Vagos. Donc, même si on sera peut-être plus Vagos. Je dis peut-être plus, parce que j'en sais rien. Mais c'est vrai, j'ai toujours pas diffusé la musique de Tonton. Je le ferai demain. Un joueur me percute avant la fin du permis, il se passe quoi? Bah, je pense qu'il faut le refaire. C'est des choses qui arrivent. Faut rester un gangsta. Ah, moi je pense que je vais rester gangsta. Enfin, ça me plaît trop, on se tape des barres. Police, c'est bien aussi, hein, mais. Mais là, c'est l'idée de tout recommencer, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est bon, tu l'as eu? Putain, il est où? Mais il pleut, c'est la merde, Mario. Eh, bravo, si tu l'as eu. Ah, y'a un poplou, y'a un poplou. Y'a un poplou. Et. Attends, y'a l'un de moi, y'a. Ah, ça va mieux. Et. Je vous attends là. Si, si, si. Il parle le fort lui aussi, non? Oh là là. Et là, il était pâle d'où? Ah putain, il était pâle, mais. Bah oui, non. Si, il est où? Y'a un poplou, il pleut. Oui. Et il disait, il parle pas un peu fort lui? Si, je pense que si. 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 Bah, c'est lui, je te dis. C'est lui, mais il est malade, il a de ses lèvres. Il faut l'abattre. Ah. Ouais. Oui, il faut l'emmener à l'hôpital. Non, bah, faut appeler le médecin. Ok, et on appelle un médecin. Tu parles pas un peu fort? Je sais pas. Si, 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 moi, il t'a dit que tu parles fort. Bah, attends, je vais appeler un doc. Appelle le médecin. Et. Ouais, bah, et comme ça, c'est mieux. Si, c'est un peu mieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, que dalle, parce que. Je viens d'arriver, je viens de foirer trois fois le permis, du coup j'ai plus de thunes. Ok. Je vais te donner du boulot. Ah, oh bah punaise. Je vais te donner des petites choses d'avant, tu vends ça, et après tu m'en appelles. D'accord. Je prends mon numéro, Miguel de Vagos. Ok, alors. Tu notes? Je suis pas très doué, hein. Alors vas-y. C'est Miguel et le numéro c'est 39-97. 39-97, c'est ok. Ça. Tu vends, bah, les... tu vends tout ça et derrière tu viens me. Je t'appelle donner. Après. Tu m'appelles. D'accord. D'accord. C'est ça quoi marche. Ton nom? Al. Tu m'envoies un message avec ton nom. D'accord. Et si c'est ça pas marche. Ce soir que tu me l'amènes, on voit ça demain. Yes, ça marche. Oui, allez, file, ça sera demain, parce que vu le temps... Allez, j'ai appelé les médecins, je pense qu'ils vont arriver, Al. Allez, Al, tu appelles quand t'as fini. Merci, Miguel, et comment vous appelez? Ellie. Ellie, merci. Ouais. Bonjour. Miguel, Ellie. Mais tout le monde y parle fort, dans cette île, c'est ouf. À plus tard. Un peu plus. T'es un scooter, nickel. Monte. Ah, non, 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 non. Ah, c'est votre scooter? Pardon. Oh. Et plein celui d'à côté, ça marche aussi. Tu sais que j'ai une voiture? Ah putain, on a une voiture, c'est vrai qu'on a une voiture. Il a encore essayé de piquer un scooter. C'est fou ça. C'est un tour. Hop. Impeccable.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de vendre la merde qui reste sous la pluie ou pas? Il est pas sous. Ça va être un peu compliqué sous la pluie, je crois. En plus, il fait nuit et tout. Bon. Donc, dodo, et on continue demain? Ouais. Mais dodo, où? On va dormir dans la voiture. Je vais dormir sur la plage. C'est une bonne idée. Il y a un parking à la plage. Ouais. C'est plus sympa, la plage sous la pluie. Et le sable, il colle au cul. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une terrasse. Tu te mets en dessous d'une table et c'est bon. Si, il y a une terrasse, il y a tout. On a trouvé notre premier vendeur. Beau, ça. Oui, alors il faut pas saoul que sous une lumière. Non. Bon. Moralité. Il me réveille d'un coma. Il n'y a plus personne, il n'y a que toi. C'est une bonne chose, il y a au moins toi. Et on a plus les vagos. Les vagos, c'est les cartons. Et on vend des weed. Ouais. Et ce soir, on s'est fait la somme des 1 500 $. Waouh. Et on a une Toyota. Hey. Elle est trop bien, notre Toyota. Ou pas? C'est... Et c'est enfin, pas je préférais ma comète, hein, mais... Si, mais il va falloir qu'on aille chercher ça. On a du boulot. Il pense qu'on a du boulot. Bon, déjà, c'est une bonne chose. On n'a pas été en prison. Oh oui. Déjà, ça change. Avant, il allait en prison tout le temps. Au moins une fois, pas Yul. Et pas là. C'est une bonne nouvelle. Il pense que c'est une bonne nouvelle. Il flotte. Il va dormir sous le ponton, moi. Il soit à pied, moi. Et quoi? Il y a une voiture sans permis, pero elle est à l'aéroport. Ah! Si, c'est pas grave. Ah bon? Si, mais il est pas grave, il va gérer. Ok. Bon, Ellie, faut un dodo, on se voit demain. Ouais, à demain. Demain, on devient multimillionnaire! Allez! Olé, pas de maison, et il va dormir là. Tiens, sous le bordel. sous le bordel. Bon, est-ce que ça vous a plu, mesdames et messieurs, cette première prémisse, cet épisode 1, ce test, voir un petit peu si ça vous plaît, la suite des aventures de Miguel, oui, au top, bon, bah, génial, de ouf. Bon, on a tout à faire, c'est ça qui va être dingue, c'est que dans les prochaines semaines, je parle bien en semaines, on a tout à faire, quoi. Va falloir tout fabriquer, va falloir préparer notre groupe, et puis voir en quoi on se spécialise aussi, parce qu'il y aura peut-être du braquage, il y aura, tu vois ce que je veux dire? Il va y avoir du braco, il va y avoir... C'est pas des armes, c'est pas de la drogue. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est cool, quoi. C'est ça qui est vraiment, vraiment génial, quoi. Bon, impeccable. Bon, demain, je pense qu'on fera style 13, même un peu avant, peut-être. Ouais, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 13, 18, et puis après 20h, 20h30, 1h, comme là, tu vois ce que je veux dire? On va faire des horaires un peu plus light où je vais essayer de me coucher un peu plus tôt quand même, parce que bah, sinon, déjà, vous allez gueuler, vous avez plus de sommeil, et moi aussi. Ma femme aussi. Donc dans l'idée, tu vois ce que je veux dire, une pacifique. Oula, on est loin d'une pacifique, on va pas la faire tout de suite. Hein. Tascar, merci toi pour les 500 bits, ça fait extrêmement plaisir. Bref, merci à vous mesdames et messieurs, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve demain. J'espère que vous serez toujours autant au taquet. Et moi je vous dis merci à vous, une excellente soirée. Et on se laisse sur le son des Vagos, qui n'est plus le son des Vagos. Je crois que c'est la dernière fois qu'on le mettra. Ah, ça fait chier. Ça fait chier parce qu'on est on n'est pas Vagos, on est hop, on n'est plus Vagos, on est Craignos, là on est Cassos, Clodos, très bien ça comme idée, Clodos, Troki, merci à toi qui vient de s'abonner, lance un train de hype au moment où on arrête le, je peux plus de vous, merci à vous mesdames et messieurs, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, bonne nuit, merci beaucoup. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. Merci à vous, une excellente nuit. Bisous, et on se laisse sur le son des Cassos. Vagos. Vagos. Si, venga. Tu me dis, il est tout. Vagos, it's ok. Vagos. Je dis ok. Vagos. De Miguel, enfin ami plus ma
frappe, ça fait un coma. Eddie va te virus, Eddie les bons blancs, Eddie bras droit, Eddie toujours là. Vagos, 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 he's ok. Vagos, 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 Eddie ok. Vagos, 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 he's ok. Vagos, 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 ay, ay, ay. Inigo Montoya, Inigo Montoya, Inigo Montoya. Pour el raccoon, le plus grand des banditos, parti trop tôt. Vagos, aïe aïe aïe. Vagos, 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 he's ok. Vagos, 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 he's ok. Vagos, vagos, vagos.